Attendez, je vais dans mon fichier de... Ah, ça y est, ils sont en vocal. Oh, ping. Allô. Alors après, j'ai pas testé le multi, yo. C'est vrai. Coucou. Allô. Comment ça va? Tiens, mais ça vous êtes va. Pas trop fatigué? Vous avez pas genre streamé toute la journée, là? Et... Complètement. J'ai vu des streams, moi. J'ai vu des streams de la part de certaines personnes. Complètement, streamé toute la journée, là. Mais on est à nouveau là, en fait. Voilà. Quel plaisir. Pour le jeu de la, du centenaire, de la décennie. Diane, c'est une danette croustimalis, les meilleures danettes avec les petites billes dedans. Elles étaient au rayon date courte, elles m'ont appelé, j'étais obligée. Genre de niche, mais par contre, ah ouais. C'est vrai que pour un genre de niche qui est en train de lui arriver... Je cherche la facture de mon téléphone pour savoir s'il y a l'email dessus. Mais sur Sim, là, c'est classé combien? Bah ça a fait top 9 ever, je crois. Ça a fait 800 000 joueurs actifs en même temps, à un moment donné. Ouais, c'est dingue pour un jeu de niche. Ah oui. Sachant qu'il va sortir sur console début septembre, je crois, et que il est aussi... Moi, par exemple, je joue sur GOG, tu vois. Et il y a plein de gens qui jouent sur GOG. Ok. Pourquoi GOG, d'ailleurs? Pourquoi tu joues sur GOG? Parce que en fait, à l'Early Access, on m'avait filé une clé GOG, du coup... Ok, d'accord. Ok. Let's go! J'ai trouvé le numéro email et la facture. Je vais me l'envoyer à moi-même. Hop. Par contre, le truc, c'est que j'ai pas d'imprimante et je sais que les keufs, vu qu'ils ont tout en papier, ça m'étonnerait qu'ils aient de quoi, voilà. Mais j'ai retrouvé la facture. Alors, en fait, comme je l'avais acheté avec l'entreprise, elle était encore dans mes fichiers de comptabilité. J'avais jamais eu l'habitude de jouer à ce genre de jeu, je peux dire des trucs. Je vais pas spoil parce que, de toute façon, il va se passer plein de choses de manière différente. Vous avez pas fait Divinity, vous Non. Jamais. Je crois que, Lucia, tu m'avais dit non, ouais, c'est ça. Non, ouais. Jamais fait Divinity, ok. Vous faites du JDR, genre Donjon Dragon classique, enfin vous en avez déjà... Non. Moi j'ai déjà fait du D&D, ouais. Ah ouais, quand ouais. Bah dans ma jeunesse. Merci pour les 5 sub guitares. Dans ma jeunesse. Ah bah c'est... C'était le week-end dernier en fait. Bah, non mais on va dire que c'est un classique des dans les jeux de rôle, quand tu sais pas quoi faire, tu vas vers là. Enfin tu sais, les maîtres du jeu, oui, en général, ils commencent par ça, quoi. Genre... Tout à fait. Donc c'est pour ça. Moi j'ai jamais été maître du jeu, hein, de mon côté, mais j'assumais, quoi. C'est pas grave, là, t'es joueur de toute façon. C'est le jeu, le maître du jeu. C'est le jeu, le maître du jeu, excuse-nous. T'as joué, Louis, toi que... À Baldur's Gate? Ouais. Non, parce que en fait, je devais attendre ma config qui est arrivée, malheureusement, mais pas en bon état. Qui est super bien, quoi. Je devais attendre... Hein, choc dans la config. Hein. Super, ouais, config. Éclaté, genre vraiment explosé la config. Et donc du coup j'attendais que on joue tous ensemble, etc. Et que cette config arrive, elle est arrivée hier et repartie aussi. Elle repart là. Mais du coup là je teste en cloud gaming. Mais je pense que c'est ok. J'ai fait Divinity 2, c'est top 3 jeux préférés au monde, voilà. Ah ouais, ok. Ah ouais, et j'aime beaucoup le JDR aussi, même si j'en fais pas énormément, mais j'aime beaucoup ça. Ok, ok. Ah ouais. De toute façon... Là, on est sur une soirée création de perso, je crois. Hein. En vrai, il y a des chances que c'est ça pour ça, temps. Mais moi, je vous ai prévenu. Hein. Je vous ai dit, ouais, créer le lobby en amont, comme ça, je vais sur le jeu avant vous. Après, ouais, en fait, ça va parce que vous allez voir qu'on peut pas... on peut personnaliser le visage du personnage, mais pas tant que ça. C'est-à-dire que tu peux personnaliser vraiment les cheveux, piercing, cicatrices et tout. Mais par exemple, les visages, c'est des préconstruits. T'as genre le choix entre 4 visages de chaque. Mais ouais, tu peux quand même personnaliser beaucoup de choses, quoi. Okay. Autre chose qui est possible aussi, c'est de prendre des personnages préconstruits qui ont un lore dans le jeu, en fait. En gros, ça va déclencher des événements. Ah ouais ? Pas en tant que non préconstruit. Ouais. Après, t'as des persos préconstruits. Des parties solo, etc. Aucun problème. C'est ce qui fait que moi, par exemple, quand je joue en solo, j'ai mon perso que j'ai créé de A à Z, et à côté de ça, j'ai recruté 3 préconstruits après in-game. Alors que là, quand on va jouer à 4, on va rencontrer des personnages préconstruits dans le jeu qui, eux, du coup, je sais pas, on pourra soit les inclure dans le groupe, soit les virer. Enfin. Parce que c'est des choses, quoi. Mais ouais, les préconstruits, ils ont leur but. Enfin, tout est défini déjà, quoi. Ouais. Mais du coup, imagine, toi, Chiche, là, tu pourrais jouer avec nous en team, en coop, avec ton perso solo ou pas du tout? Je sais pas du tout comment ça marche, mais en vrai, il y aurait pas trop d'intérêt à le faire, parce que si mon perso non, est déjà sûr. Level 4-5... Je crois qu'il y a des fonctionnalités comme ça où tu peux emmener des... Merci, Maxi Kinder, pour les 2 ans d'abonnement. Merci beaucoup. Merci infiniment pour le super soutien. Merci 1000 fois, c'est adorable. Merci. Merci. On sens aussi en équipe, tu vois. Ouais, non mais le jeu est vraiment jouable des deux façons, en fait. Ok. Et merci encore, hein, Sarge, pour les 5 subs. Je t'en fous. Mais par contre, c'est vrai que tu peux voir... Non, faut pas bloquer la nudité. C'est comme Cyberpunk, en fait, c'est genre... Les règles sur Twitch concernant la nudité, quand elle est dans les jeux vidéo, c'est que, en gros, c'est pas... Genre, ça passe si tu passes pas une éternité dessus et que t'es pas en mode « Regardez les nibards !»
Regardez, regardez les gros nibards. Gros nibards. les Robert. Regardez-moi ces énormes Robert. Ok, d'accord. Oui, non, mais c'est vrai que dans le jeu, tu peux voir des vulves, tu peux voir des pénis, mais en fait, comme c'est pas le sujet principal du jeu, c'est un jeu qui est pas interdit sur Twitch, et tant que t'en fais pas des caisses, il y a pas ouais, de problème. Ça. En effet, c'est okay. Ça. Hein. Même comme The Witcher 3, c'était pareil aussi. Mais j'avais demandé. Ouais. Dans la création de perso, tu peux vraiment foutre ton perso nu, quoi, si t'as envie. Oui, voilà. Et tu peux choisir le type de pénis. Un truc qu'on n'a pas fait, c'est s'ajouter en ami. Je sais pas si on peut quand même faire un multi sans être ami. Ah putain, j'avoue. Oui, je crois qu'apparemment, parce qu'on est même pas sur la même plateforme, par exemple, je suis sur GOG, et je crois qu'apparemment, on peut se rejoindre in-game dans tous les cas avec. En fait, on a un code lié à notre compte in-game, donc on peut se rejoindre de partout. Ok. Après, moi, j'ai relié mon compte Steam à Larian aussi. Du coup, j'imagine que toi, GOG est à Larian aussi, et du coup, on est trouvé comme ça, mon ami. Ouais, tout à fait. En fait, c'est le compte Larian qui compte, il me semble bien. Donc, bon, bah, peu importe sur la plateforme. La personnalisation est giga poussée, un peu trop peut-être. Go customer Zob, hein. Allez. Hein. Il faut faire d'abord multijoueur ou on peut faire juste nouvelle partie du coup Je crois qu'il faut qu'on fasse multi. Je sais pas. Bon, ouais, honnêtement, moi j'aurais dit multijoueur. Si c'est je crois que le multi va être hosté par une personne de toute façon. Ouais. Okay. Donc à voir qui veut host. Bah, moi je stream pas donc peut-être que c'est mieux que ce soit moi, non? Ouais, mais comme t'es sur un truc en cloud et qu'en plus de ça on joue sur la même call, Louise. Let's go. Ben, aucune idée. Le chef doit faire une nouvelle partie, on me dit. Un host et les autres font rien. Après, il y a une question de est-ce que vous allez vouloir tout le temps jouer ensemble? Est-ce qu'il y a des gens qui ne seront pas là tout le temps, etc. Et il faut que ce soit la personne qui sera le plus là qui host. Ouais, de toute façon, c'est un test. Hein, comme on a dit, on se fait ça, cette session-là. On s'éprogramme une session pour vendredi et il n'y a pas de. Il n'y a pas de. Non, mais là, les amis, quand on tu est vois pas le... 1000 heures ensemble. Je sais pas si ça, ah merde, ça, je viens d'avoir un message qui me dit la carte graphique de Nvidia installée sur votre machine est plus ancienne que la version recommandée. En fait, ouais, il y a eu un driver qui est sorti aujourd'hui, mais en vrai, moi j'ai joué au jeu avant sans le driver d'aujourd'hui. Ce que j'allais dire, non, mais c'est une blague, j'ai tout mis à jour, je suis dégoûtée. Le cloud, il n'est pas à jour non plus, et du coup. Ouais, en vrai, c'est rien. Genre. D'accord. Normalement, il n'y a pas de problème. Okay. Bon, qui host? Bah, si vous voulez, je host. Hein, ouais. Si je clique sur multijoueur, comment ça se passe? Alors, recherche de salon. Qu'est-ce que c'est que ce bazar? Ok, en total opening là. Ta 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 ta. Incroyable, bien sûr. Masqué, diverses extensions. Ah oui, même, non, mais en fait, ok. J'ai même pas lancé le jeu, hein, j'avoue. Moi non plus, hein. Ah ouais, c'est vrai. Que je fasse nouvelle partie. Ouais, pour first time opening. Ça fait une heure et demie que le jeu est lancé. What? En vrai, je dis ça, mais je suis limitée 8 heures là sur le cloud. Je peux pas jouer plus de 8 heures. Ah ouais? Mais je crois que c'est en une session. J'ai pas lu entre les lignes. Ok. Donc, sachez qu'il y a 3 difficultés. Il y a la difficulté première qui s'appelle explorateur, expérience narrative donnant la priorité à l'histoire par rapport au combat. Donc là, c'est vraiment genre, les combats n'auront aucune importance, quoi. Ouais. Oh, non. Ça sera rien dedans. Équilibré, c'est aventure de difficulté équilibrée qui vous propose nombreux choix cornéliens. Donc ça, c'est le truc de base. Et après, il y a tacticien. Et honnêtement, je déconseille, surtout si vous avez jamais... Non, on fait la normale, nous. Non ouais, il y a ouais, normal, ça semble très bien. Ouais, moi, c'est souvent... Je préfère. N'hésitez pas à... J'ai mis normalement une stream squad. Si jamais vous allez. Voulez... Ah, la stream squad. Ouais, non, j'ai lancé les invites. N'hésitez pas, comme ça, on l'a lancé. Cette aventure. Ouais, c'est vrai que par contre, comment vous allez voir la cinématique d'intro si c'est moi qui fais nouvelle partie? C'est bizarre, parce que moi, j'ai déjà une cinématique, là. On l'a pas tous, non? Je peux vous inviter, attendez. Initialiser et didacticiel. Oui, sûrement, quand même. Activez la sauvegarde squad. Croisée. Est-ce qu'on voit ça déjà, Stream Squad. Oh. Ah oui, j'ai reçu. Nice. Je crois que j'ai activé l'overlay Twitch. Dites-moi si ça fonctionne. Mais il choque pas mon Twitch. Ça avait l'air de marcher, ouais. Ah, nice. Et Pompon aussi. Ouais, normalement ça marche, je crois. Oh là là, oui, les gens vont voir vos caractéristiques et tout, je crois, c'est stylé. Mais je me suis pas spoil, donc j'ai pas vu beaucoup de stream squad. On peut mettre à 120 FPS, ça va pas tout bugger. Normalement, c'est bon, moi je joue en 100, après je suis en WC, mais je pense qu'honnêtement ça passe. Ok. Les gens disent qu'il est plutôt bien. Test. Dans tous les cas, limite les FPS au cas où. Enfin, je pense que t'as l'habitude. Ouais, ouais. Bah, je limite à 120. Ouais. Vidéo...
Amine ne Ah ouais, je suis en ultra en qualité générale, c'est peut-être un peu. Ah, ils ont craqué leur slip, je pense. Après, c'est pas un jeu si gourmand normalement, mais bon, à vérifier parce que, comme avec le stream en plus, peut-être que. Bon, ben je guette, au pire, je baisse. Ouais, on vous le verrez vite, je pense. Hein. Bon, alors attendez, comment je vous invite in-game? Là, j'ai invité des amis. Alors. Invité des amis sur Gog. C'est pas gratuit. Merci, Amphéon, pour le 15e mois. Merci beaucoup. Vraiment, on fait le flou. En plus, nous, on est sur Steam avec Pompon, donc. Bah ouais, ouais. Comment on invite des gens, le chat, là? Qu'est-ce que c'est que ce bazar, là? Multijoueur. Quand je fais plus, ça move mes amis Gog. Évidemment que j'ai pas d'amis Gog. Personne utilise moi. Qui utilise ça? Bah ouais, personne, malheureusement. Alors que c'est bien, hein, mais. Alors que je peux aller dans le salon de Angle Droit, de Bresque Joie. Ah ouais? Oui. Est-ce que t'as mis avec elle? Oui. Donc là, je peux lui faire une surprise, c'est une blague? Alors, coucou! Surprise de fou, là! T'arrives avec ton petit perso, là! Le code, le chat, là, pas de code, là, connexion. Ah! Amis uniquement, tout le monde accessible sur invitation. Ah! Qu'est-ce que c'est que ce bazar? Identifiant. Ah, connexion directe. Ah oui, j'ai un identifiant de connexion. Ah, faut pas ah ouais, sérieux, Geek Fabula, OMG. Un identifiant de connexion directe. Ok. Ouais, il y a un squad qui est en train de se créer, là. Hop. Est-ce qu'il y a un truc à faire pour l'extension à valider dans les options du jeu? Ouais, dans les options du jeu, tout en bas de la première page, je crois que t'as un truc genre activer le... Exact. Exact. Gameplay, tout en bas, autoriser l'extension Twitch. Exact. Ah. Ah oui, mais c'est le truc Twitch, je crois que... Oh non. I got a problem. Ok, non, c'est bon. Je vais mettre les dialogues un peu grands quand même, je pense. J'ai voulu faire un copier-coller entre deux PC, ça s'est mal passé. Les parties génitales. Ah. Montrer les tubs. Je vous ai envoyé le code. Apparemment, avec ce code-là, vous pouvez rejoindre direct la session. Ah, ok. Donc, vous allez pouvoir rejoindre pas, direct. Ne liquez pas le code, ouais. Normalement, avec des ça. Save. Des saves? Non, mais on verra au moment de save, je pense. Non, je sais pas. Oui, parce qu'en fait, après, t'as un système. De toute façon, pour une première game, on va utiliser les saves comme il faut. Parce que c'est vraiment un jeu où tu peux save scam à l'infini. Tu peux save tous les deux pas où t'avances, tu vois. Oui, d'accord. Comme t'avais réussi. J'étais en rejoint. Oh, vous débarquez là. Hein. Oh, et du coup, vous avez une cinématique ou pas là? Non, c'est les didacticiels. Ok. J'ai pas de cinématique là, je suis dans le menu de création de perso. Ok, bah sachez qu'il y a une cinématique avant ça normalement, mais bon, c'est pas grand chose. Après, non. Celle d'après est plus importante que celle d'avant. Ah, les fils. Personnalisé. En vrai, vraiment. Baldur's Gate, je jouais avec mon père sur notre PC, mais il y a super longtemps. C'était quelqu'un qui nous avait donné le jeu et tout. Je me rappelle que je comprenais rien. Voilà. Ce sera un peu plus compréhensible et beau maintenant. Ouais. Bah, y a beaucoup de races, vous hein, du coup. Quoi, hein. Sachez que selon la race que vous jouez, vous avez potentiellement aussi des sous-races. Par exemple, les elfes ont des sous-races, les tieflins aussi. Les humains n'en ont pas, parce qu'il n'y a que les humains. Les Githyanki n'en ont pas non plus, les nains ont des sous-races, etc. Donc à vérifier, sachant que des fois les sous-races ont des particularités en plus. Ouais, il y a une meuf, elle s'appelle Carla. Ah oui, Carlache. Vous mettez les didacticiels ou pas? Question con. Mais... Moi ouais, j'ai ouais, en vrai ça peut valoir le coup. Il y a plein de raccourcis et tout, ça vaut le coup, je pense. Ouais. Donc en fait, il y a des personnages qui sont préfets, c'est ça, avec déjà c'est un ça. Lore. Ouais, tout à fait. Exactement. Ah, bah, moi, ça... ah non, c'est bon. C'est ça, lac de fou. Perso. Ah, elle se souvient de rien, Ombrecoeur. Okay. Ombrecoeur, elle a perdu la mémoire. Ah, et à chaque fois, on peut lancer des cinématiques sur l'histoire des persos. Ok. Ah, en fait, ça, j'avais pas vu ça. Moi, j'ai le jeu qui lag quand je suis dessus. Et, ah ouais. Et qui. Enfin, j'ai mon stream qui lag quand je suis sur le jeu en premier plan. Et qui lag pas quand je suis ailleurs sur une autre fenêtre. Okay. Bah, sûrement que quand t'es sur une autre fenêtre, il met moins d'FPS. C'est bon, j'ai compris, j'ai passé. Calcule pas 120. Peut-être limite-le à 60 en vérité. Ouais. Je sais qu'un des écrans du jeu qui consomme le plus, c'est celui de création de perso. Et de quand tu... En fait, c'est le même écran quand tu level up. Et c'est l'écran qui consomme le plus, je crois. Je vais voir vidéo. Alors attendez, du coup, je comprends pas très bien. La diff entre le drake et le blanc. Mais ça peut valoir le coup de le mettre en 60, ouais, peut-être. Ça, c'est les personnages ouais, de. Surtout, ah, c'est mieux de personnaliser. Je me rends pas compte parce que. J'y joue vraiment. Ok, on va partir d'une bonne base. Potentiellement, le jeu, il est vénère. Vous faites tous un personnage personnalisé, du coup? Il y a des chances, ouais. Je pense.
Bon, en tout cas, j'ai envie de faire un personnalisé. Après, rien ne t'empêche, franchement, de prendre un... Enfin, si toi, ça te tente de prendre quelqu'un qui est pas perso, enfin... Non, je préfère créer mon perso, en vrai. Bon, par contre, les personnages... Les persos aléatoires, c'est pire que les Sims, là. Hein, c'est cata. Ouais, apparence aléatoire, c'est compliqué. Hein. Bon, ça, c'est une bonne base. Aïe, 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 aïe. Donc après, il y a la classe, évidemment. Je sais pas trop ce que vous aimez jouer d'habitude dans les jeux de rôle. Genre, est-ce que vous préférez magicien ? Est-ce que vous préférez être au corps à corps ? Est-ce que vous préférez être plutôt dans l'ombre, assassin ? Est-ce que vous préférez soigner ? Moi, je veux soigner de support. Fou. Tu veux support ? Support de fou. Donc, tu seras potentiellement cléric, du coup. Il y a cléric qui est pas mal support. En fait, après... Elle te harcelait à l'école, elle. On peut faire un peu tout, quoi. Mais attends, mais... parce que là, origine personnalisée... Ouais, barde aussi, c'est sûr. Vous êtes déjà passé à autre chose ou vous êtes passé direct à la race ? En fait, ouais, origine personnalisée, si tu prends personnalisée, après tu peux aller dans race et choisir la race que tu veux prendre. Ok. Oui, en fait, là dans origine personnalisée, c'est les préconstruits. Après, en haut, si tu cliques sur personnaliser, après tu fais ce que tu veux. Ah, j'hésite entre Guy Tianqi ou Tieflin, là. Je vous préviens que je fais un dragon, hein. Voire demi-orc. D'accord. Oh, ouais, mais là, j'ai le nez de Voldemort, là, c'est compliqué. Waouh, mais il y a tellement de trucs, parce que là, même moi, la classe... Moi, j'aime bien demi-elfe, hein, stylé. Ça hein. Fait quoi, les Guy Tianqi, savoir ancestral, vitesse hein. Les bienvenus partout, mais chez eux nulle part. Vitesse 9, on voit dans le noir. Je sais pas trop ce que c'est la diff entre ensorceleur et magicien, c'est ça qui est un peu chiant. Ensorceleur, t'es plus basé sur la magie des élémentaires et les dégâts, magie de DPS. Là où le magicien, lui, il fait tous les sorts un peu n'importe quoi. Tu vois. Ok, bon, moi je suis en Il peut faire tous les sorts. Moi j'aime bien Tiefelin parce que c'est quand même descendant des diables des neufs enfers. Les Tiefelins font l'objet d'une défiance constante. Tout ça, c'est. Par chance, leurs facultés occultes en font des experts de la survie. Ça a l'air grave stylé. Plus magicien. Mais j'aime bien aussi demi-elfe. Attends, mais Bard, c'est trop bien là. Je vais essayer de faire ça. Vous savez pertinemment que la musique est bien plus qu'un divertissement, c'est une source de pouvoir. Par l'étude et en multipliant les aventures, j'aime bien ses cornes en fait. Et le fait que ça soit un diablotin, genre. Exceptionnel. Tiefelin de la lignée d'Asmodée, des Méphistophélès ou de Zariel. Demi-orc pour barbare, ça a l'air OP. En fait, j'aime trop les cornes des Tiefelins là. C'est trop beau. Ah non. Ah ouais. Les Tiefelins, c'est descendants des démons. Ils sont persécutés un peu dans le jeu. Alors, vraiment, tout le monde les déteste. Ah, super. Mais Mais en vrai, il y a beaucoup de jeux, y a beaucoup de races qui sont détestées in-game, comme les Guy Tianqi aussi, qui sont détestées. Il n'y a pas un des personnages principaux qui est Guy Tianqi ? Si. Lazel. Laizel. Oui, c'est ça. Les Guy Tianqi. Pourquoi pas demi-elfe ? Est-ce que vous avez des sorts... je sais pas si vous êtes déjà à vos sorts ou pas, mais est-ce que vous avez des sorts d'illusions, genre pour bait les monstres ? Je pense pas qu'ils en soient à la classe, Louise. Oh, attends, non, moi je vais faire mon perso là. Hein. Excusez-moi. Oh, tu as tellement envie de les sorts. Oula. Oh, le Drakeïde, ok. Vénère. Barbar. Il y a les Drakeïdes. Après, on peut faire plusieurs Drakeïdes. Barbar. Je peux faire des Drakeïdes. Ça va jouer Barbar. Tu joues Barbar toi ? Oh, il y a des chances, ouais. La violence du man. Choc Barbar. Ah putain, mais tu as différentes corpulences selon même les races. Ouais. Oh, la corpulence, c'est purement visuel pour le coup. On peut vite fait personnaliser quoi. Ok. Vite fait. Ouais, mais après, quand tu vas dans éditer le personnage, là, tu peux là faire d'autres trucs quand même. Hein. Tu peux personnaliser. On va faire un perso immonde, peau, je suis déjà 10 ans par raid. Ah mais laissez-moi tranquille, mes persos sont exceptionnels. Mais déjà c'est sûr que je suis un gnome, déjà premièrement. Ah ya. Je suis sûr, le gnome. Attends. There's magic keeping this chest sealed. Where to next? What was that? Let's hope the hells. Be wary. It's opened. More of those wretched things. Elle a pas un accent anglais là? There's magic keeping this chest sealed. Where to now? Let's hope the locals are friendly. Hells, something just woke up down here. Ah, mais là aussi, en fait, ils ont tous un accent british de fou là.
Be wary. This place is trapped. It's open. More of those wretched things. There's magic keeping this chest sealed. J'aime bien cette voix-là. Justement, donc ça peut être intéressant peut-être. Si tu veux pas dit que je reste sur cette race là. Ouais ouais, bah parfait. Moi je supporte, je suis très chaud hein. C'est trop bien qu'on ait un support du coup. Je prends que des dégâts mais ça me parle. Ah bah moi jouer support, je vraiment je kiffe hein, pour le coup. Ah oui, mais attends, il y a acide et poison de différents. Comme je connais pas les interactions encore entre les éléments. Non, mais on y va un peu YOLO in fine, enfin ça c'est pas très ratus. Oui. YOLO in fine. C'est juste que tu parfois tu merci Ravenaer pour le 19ème mois. Tu fais un sort électrique, ça fait plus de dégâts. Pareil sur le feu et oui. Le poison, ça explose, tu vois. Oh là, tu peux être du vitiligo sur une orque, quoi. Ah mais attends, il y a la souras aussi, c'est ça? Oui, selon la... Bah, si t'as pris gnome, il y a plusieurs souras de gnome. Et selon quelle souras tu prends, il aura pas les mêmes... généralement, dans les souras, tu vois les talents que ça t'apporte juste en dessous de la souras. Mais du coup, mais il faut faire la personnalisation après la souras. On aurait dû créer le lobby avant, les potes. Ouais, choisis d'abord ta souras et après, fais le reste, quoi. C'est pas okay. Très ratus. Vas-y, je vais faire ça, je pense. Parce que, ah oui, gnome des roches, gnome des forêts, gnome des profondeurs. Bon, un peu de tout, moi. Hein. Merci, ouais. Léa, pour le 17ème mois. Partir sur la forêt, je pense. Oh, feuille morte, c'est stylé aussi. Hein. Oh, je peux parler avec les animaux. Ah oui, ça, c'est bien. Ça, c'est très, très utile. Hein. Ouais, oh. C'est très fort. En plus, ça a plus de l'or, du coup. Oh, la dingue, je suis chaud. En fait, j'aimerais en plus, bien faire avec les trucs de sport. Comme mon personnage de The Rising, je la trouvais plutôt stylée. Ok. Oh, mais ça c'est fort aussi. Le maquillage, les cheveux. Orque chauve. Je fais un test. La communication avec les animaux, c'est dingue ça. En vérité, comment c'est possible que des orques aient des cheveux? Les orques ont-ils des cheveux? Les orques des cheveux, ça peut. Comment et d'où naissent les orques dans ce jeu? Oh, belle, les demi-orques. Ah oui, c'est vrai que c'est les demi-orques dans le jeu, bah, parce que les orques normalement ça naît de la terre. La pointe violette sur la corne, c'est vraiment très vous mode. Vous insultez une créature, ce qui lui inflige un désavantage sur son prochain jet d'attaque, mais peu cher. J'ai envie de lui enlever son genre, make-up je leur parle en fait. Vraiment, mais même mal quoi. Ouais. C'est top. Attends, parce que ça me gêne. Merde, l'ours là, ferme ta après, gueule. Après, moi, c'est vrai que ce sera potentiellement une demi-heure, mais issue de la haute, quoi. Hein, issue de la haute société. Hein. Ok. Moi, je pense que je suis plutôt issu d'une forêt vraiment de galériens, je pense. Pour le coup. C'est un gnome des attends, forêts. T'as pris gnome de la forêt? Ouais. Pilosité. Mais genre, moi, j'ai jamais chié en intérieur, tu vois. J'ai toujours uniquement. Je me suis. Ouais, je me suis vraiment cru avec les feuilles en permanence, quoi. Ouais, en permanence, tout le temps. Tout le temps. J'arrive pas à ça. On peut faire de l'hétérochromie, classe, c'est trop bien. Oh, moi, c'est une certitude. Ah, voilà, c'est tatouage, ok. Bon, charlatan, criminel, artiste. Je crois que j'aime bien la démon, non, je trouve ça là, cool. Je parle de la sous-classe, je sais pas choisir entre les trois. Du coup, le teint, je m'inspire un peu de mon personnage que j'avais sur The Rising. Qui était Putain. Ouais, j'ai Force Now en vrai si vous ça se teste hein, si vous avez pas le qui PC. Qui était trop jouer, stylé là, que j'avais appelé Prou. Maquillage un jeu c'est zéro okay, pour enlever le blanco sur la bouche. Genre de jeu, quoi. Ouais, clairement. Voilà. C'est pas trop punitif d'avoir mieux. De claque sur ça. Hein. Et Oh, vas-y, comme ça je suis chica BG par et contre. Et ouais. J'arrive même pas à me dessiner sur une couleur de cheveux, alors me dessiner sur le reste, ça va être compliqué. J'avais pas vu, moi j'étais en train de galérer sur la couleur de peau. Fait, puis il y a quelqu'un dans mon chat qui m'a dit tout. Coche toutes les couleurs de peau, j'ai coché. Il y en a 8 fois plus que ce que j'avais vu. Je suis nickel. Gosse des rues. Il me faut un truc qui donne du charisme. Mmh. Ah, sinon de. Sur le nez, comme ça, j'aime bien. Non, mais je peux pas avoir la peau verte, c'est pas possible. Ouais. Vous avez la peau de quelle couleur, vous? Qu'est-ce ça que va, j'ai choisi, ça fait pas non, longtemps plutôt, que je suis dessus. Ça fait que 20 minutes, même pas. 10 minutes. Orange, je sais pas comment ils l'appellent la moi, couleur. Moi, j'ai pris une teinte un peu grise. Ok. Comment ils appellent cette couleur? Teint empourpré, moi. Ça, j'ai empourpré c'est 9. C'est pas très ratus. Moi, je crois que c'est brume. Je suis merci, Dalekan, pour le 4ème mois. Empourpré, merci beaucoup. C'est très joli.
Putain, j'ai envie d'avoir les cheveux grisonnants. Moi, je trouve qu'il est bégé comme ça. Je crois que j'aime bien la cicatrice sur le nez. Sinon, il y a celle-là. Ah oui, vous pouvez pas choisir votre sous-classe, vous, du coup ? Je sais pas. Ah, ok. Ah, peut-être qu'en sorceleur commence directement avec la sous-classe, Louise. Ouais. Oui, mais sinon, la plupart, ce sera en level up. Oui. Je crois que j'aime bien comme ça. Maturité. C'est l'âge. Ok. L'âge de douceur. Non. Et dites-moi cette apparence là. Curiosité faciale. J'ai beaucoup de charisme. Hein. Bonne beubarde là. Oh wow. Putain, le vitiligo. L'effet d'apparition là, c'est ouf en vrai. Il est trop bien fait le vitiligo. Wow. Maquillage des yeux. Ah oui, mais je sais pas si comme Donjons et Dragons, vu que j'ai déjà la maîtrise de certains trucs, il faut que je prenne d'autres trucs. Dressage sur le dressage. J'en mets ou pas. Ah oui, c'est bon. Pas stylé. Down the river, quoi. Il y a des gens qui sont criminels parmi nous, ou genre des trucs comme ça? Bah, moi je suis vraiment en train de faire mon sim là, hein, donc vraiment j'en suis pas. Mais c'est vrai, mais moi j'arrive, je sais même pas comment le. Ah si, apparemment okay. C'est à toi. Ah oui, ok. Je vais mettre par défaut. Je peux choisir entre vulve B, vulve C, pénis, pénis B, pénis C, pénis D, ou si juste vulve. Voir, il faut que tu décoches. Non, mais j'ai pas envie de voir, c'est bon. Mais c'est possible quoi. Ça, je peux. Totalement possible. Qu'est-ce que j'ai fait? Oh, j'ai failli faire une grande. Ah, la vulve C là. Ah, oh là là. Incre vulve C. Et un avant, un après quoi, vraiment. Hein. C'est vraiment ma préf quoi. Vous êtes plutôt vieux ou jeune vous? J'ai mis vite fait mature, vite fait. Et moi j'ai mis jeune. Ok, parce que moi je crois que je suis un gigantesque viocasse. Je pense que les hirondelles sur la joue c'est anti-mode. Oh, trop stylé cette peau là. Waouh, on dirait un White Walker. Non, mais il y a quand même pas mal de choses. Moi on m'avait dit, il y a pas tant que ça, il y a quand même beaucoup de choses. Hirondelles sur la joue. Il y a pas mal. Hein. Et pour me tuer, là elle a marqué No Regrets sur la joue, je pense. Ah, il y a des sacrés tatouages en vrai. Carpe diem. L'anneau. Ah. Ok. Ah, ok. Ah, hey, c'est stylé des, là, j'ai c'est vu juste des choses. Une épée dans son cou de tatoué. C'est pas mal, ça laisse son visage libre. Elle a déjà une cicatrice sur le nez. La cise mort. Hein. Ouais, une meilleure couleur de. J'en ai un peu rien à foutre de la bite de mon personnage. Pas moi aussi. Mais ça m'est un peu égal là. Enfin, moi aussi, j'avoue, j'en ai un peu RF. Hein. Franchement. Franchement. Comme ça, c'est stylé. Ok, les cheveux, ça va pas là. Ça va pas du tout les cheveux là. Je sais pas si. Vous avez des tatouages, vous? J'ai mis un petit tatouage, ouais. Okay. Faites juste attention, avec les mèches de couleur, quand vous portez un chapeau dans le jeu, ça change votre coupe et ça fait que les mèches peuvent rendre très bizarre. Ah, comme dans les Mais Sims. Mais tu peux désactiver l'apparence des chapeaux in-game. C'est tu mets un chapeau et tu souvent, dis, voilà, tu peux le faire directement depuis l'inventaire, donc c'est ok. Bon bah je pense qu'on est bon là. J'ai juste pas choisi mes parties génitales. Encore, hein. J'ai pas choisi mes parties génitales, mais j'y suis là-bas. Choose your character. Comme ça, en rouge. Je pense que les cheveux ça va pas là. Blanc. Je trouve vraiment la coupe où je me dis oui, c'est celle-là. La coupe qui paraît genre. Comme ça vous validez? Oh, celle-là elle est pas mal en vrai. Petit tatouage dans le cou là, comme ça lui laisse le visage bien. On peut lui mettre des piercings. Oh malheur! Je moi, j'ai hurle. J'ai mis des piercings sur mon dragon, on le voit pas du tout. Ah merde. Mais au moins, non mais c'est dans la tête l'esprit des gens percés, Louise. Tout à fait.
Non, mais là, par contre, je m'appelle Arnaud et je te demande si t'as déroulé devant le lycée. C'est hors de question que je mette ça. Ça dénonce. Oh purée. Ah, j'arrive pas à trouver la coupe de vœux où je me dis oui, c'est ça là. C'est... Je suis pas convaincue encore, l'arme moi non plus là. Minuit. Pourquoi l'arme de minuit? C'est un personnage que je vois pas. La calvoche. Ah, j'avais pas vu la calvoche. Oh, de pardon. Près, ils sont si beaux. Enfin, la texture des dragons là. Oh, la coupe calvoche, c'est dur hein. Ça s'appelle comment cette chevelure? Quoi, homme? Trop beau la lune là. On adore. Ah, ça, j'aime bien. Sentiment rouge, je sais pas où c'est. Oh, il y a plusieurs calvins. Ah, c'est les oreilles! Attendez, je vais changer les cheveux, je vais la mettre chauve juste pour les persimmons. Je suis terrifiante. J'ai trop hâte. Si je mets la coupe calvoche, tu vas voir, je suis pas mal terrifiante aussi. Hein. Il y a tellement de coupes, c'est un cauchemar. Et... Oh, y a, les dragons peuvent être maquillés aussi. Oh, c'est stylé! Je vais mettre là. Le temps de la. J'ai une dragon émo là! Ah ouais, on adore! C'est incroyable! Trop belle. On Anneau signe. De part. Non, mais je vais mettre les. Mais y a trop de choix, c'est un sup. Mais du coup, ça va plus les mèches là. Putain. C'est Shishayu qui nous disait non, mais ça va aller vite. Mais j'avais col. Moi, je suis désolée, ça, on pourra pas me dire que je n'avais pas prévenu. Mais à quel moment j'ai dit ça, Louise? J'ai toujours dit ça va prendre 3 heures la création de perso, c'est normal. Bah oui. Ah, l'hétérochromie pour les yeux, c'est à ça qu'on reconnaît les bons jeux, tu vois. De Story of Season en passant par FF14 et Baldur's Gate, l'hétérochromie. Tiens, il y a les yeux noisettes qui sont dispo. Oh, et c'est bon. Hein. Pas ouf. Pas ouf. Dommage qu'il n'y ait pas Hazel. Ah, ça y est, on y est là. Putain, elle est si musclée, ma dragonne là. Reste plus qu'à trouver un nom, mais genre vraiment, je sais pas quoi ça. Mettre. Hein. Quoi? Je sais pas du tout ce que je vais mettre comme nom. Hein. Salut Nao. Oh, j'ai un flot de fou comme ça. En fait, je l'ai tellement vu avec la pupille. Pas la pupille, je l'ai tellement vu avec les stats, globe oculaire noir là, que quand je lui mets les yeux avec blanc, ça me fait bizarre. Là, je comprends. Ça m'a fait pareil avec le dragon. Ah ouais, c'est vrai? Genre, tu sais, elle avait celui, mon personnage par défaut. Ouais, l'iris était tout noir. Et là, du coup, elle a les yeux blancs. Enfin, il y a d'autres couleurs d'yeux où elle a les yeux plus, genre, humains. Mais du coup, je trouve que c'est trop étrange. En plus, elle a l'air au bout de sa vie. Genre, elle a fait des heures sup, elle en a marre. On peut pas commencer à 16 de constit ou 18 de force? 17 max de base? C'est 15 le max. Mais pourquoi je peux pas mettre un point de constit comme en ça, plus alors? Trop stylé comme ça. Ma chérie, ça te va pas du tout, les yeux blancs. Laisse tomber. Pas plus de 15 flats, bah les constituts, j'ai pas 15 flats, j'ai... Ça marche pas. J'adore le... Pourquoi dans les jeux vidéo, quand ils mettent les yeux verts, ils sont obligés de mettre un vert uranium? Ah, il faut 2 points, oh là là. Non mais c'est vrai, hein. Tu peux avoir plus de choix avec toutes les couleurs de yeux, là. Non mais je laisse la config recommander, le chat, c'est chiant sinon. Non, c'est quoi ça? Ah, c'est juste des yeux d'humain, là. Ah... Ah, mais j'ai des points en tromperie, en intimidation, moi. Oh, athlétisme, c'est bon. En vrai, je laisse tout en recommandé, je m'en fous. Mais pas l'origine. Ah, putain, oui, l'origine. J'ai pas choisi mon origine. Je suis noble. Non, mais en vrai, c'est nul. Attendez, on choisit ses cheveux, ça va nous aider à choisir les yeux. Il me faut une origine sur la force. C'est beau, ça, en vrai. Oh, elle est trop stylée, purée. J'adore ce style Britney Spears en breakdown mental des années 2000. L'origine de Shock Bar. Hein. On adore la tresse. Ah, ça va être soldat. Hein. Non, ça par contre, elle est insupportable avec cette coupe. Elle est belle, mais c'est too much.
Et vous êtes parti sur qui est femme, qui est homme, qui est non-binaire, qui est... Vous êtes quoi? Je suis femme. Moi tu aussi. Es femme femme moi, de Mallorca. Je suis une femme aussi, ouais. Donc là, il y a trois femmes. Ouais, tu veux être le papy... Bah, je réfléchis à ça. J'étais parti en non-binaire. C'est en bien mode. Ce moment, ouais. Ouais, mais je me dis s'il y a... La représentation et tout. Oh, gender is over, peu importe. En vrai, le gang. Attends, mais sinon. Moi, j'aime bien aussi les queues de cheval hautes, c'est trop beau. Attends, mais je peux être le vieux barde avec les trois. Non, ça peut être marrant aussi, attends. Tu peux être ce que tu veux. Tu peux être le vieux barde misogyne si t'as envie. Hein. Ah, oui, parfait. Ah, ça se fait, hein, ouais. OMG. Ouais, ça se fait, hein. Bon, sachez que pour les caracs, et etc., je vous conseille quand même, si vous avez jamais joué, de laisser les stats de base. Oui. Oui, je vais pas commencer à toucher. Je vais laisser comme tel. Non, mais je peux être le Jerry. Merci, Kyuria, pour le 9e mois. Vas-y, je t'en prie. Oui. T'en prie, sois le Jerry de Total Spice. Je serai le Jerry de Total Spice. Salut, les filles. Salut, les filles. Une mission incroyable. Vas-y, je fais ça, Très bonne idée. J'aurais aimé que Lucia soit à côté de moi parce que je lui aurais demandé conseil sur les couleurs de mon dragon. Oh. Après, tu peux me faire une... Ouais, vas-y, tu vas me dire entre deux couleurs, celle que tu préfères. Tu peux me faire un... Soit tu peux faire deux screens, soit tu peux faire un partage d'écran Discord, en vrai. Ah oui, j'avoue, c'est un peu plus rapide. Elle est un peu comme ça, mais c'est trop beau, ça. Ça va te spoil. Le partage d'écran, je vais forcer. Bah, vas-y, c'est pas grave. Ah oui, j'avoue, ça va marcher comment du coup. Okay. Ah ouais, plus 5, ça me paraît énorme, ça. Alors, le partage d'écran de Louise... Ok, alors c'est entre ce petit violet qui va avec mes yeux, et mais regarde, il shine, on dirait, tu sais, sirène. Ouais. Et, en vrai, j'aime bien comme ça. Ouais, moi aussi, j'aime beaucoup. Et lui, il écrit ah, l'autre. Un, là. Érisé. L'autre, le premier. Escamotage discrétion. Ouais, de fou, ah grave. En vrai, rien à voir. Hein. Allez, ça part. Parfait. Merci. Héros du peuple, criminel. Ouais, elle est trop mignonne comme ça. Mais je crois que j'ai... Y a rien sur la force. C'est soldat ou rien, hein, gosse des rues. Oh, ah, la calve. La calve, elle est... Il y a tellement de trucs qui pètent. Étranger, je joue déjà sur mon perso de base. Non, je vais prendre soldat. On est une soldate de la haute. Oh. On a été pistonné comme soldat. Putain, mais le side air, c'est trop beau. J'adore. La calve ne laisse pas la place au doute, mais elle laisse un Boeing atterrir. Ah. Ah. Non, je déteste ma coiffure. Mes lèvres sont bien, en fait. Oui. Mais en fait, j'aimais bien ma coupe, hein. J'ai trouvé, je crois. Oh là là. Oula. Alors, c'est insane. Ah ouais, c'est ma coupe préf, c'était l'avant-dernière, voilà. En fait, moi, j'aimais bien ma coupe, hein. En vrai. J'hésite quand même avec celle-ci, mais j'hésite sans hésiter. Attends. Alors, excusez-moi, mais comme ça, elle est insane, pour le coup. Attends, mais à Eternal, la déco. Ah bon? Ah oui. Elle est plus sur Didi. Ah, elle a dû avoir le plantage absolu là. À cause du partage d'écran, j'ai le seum. Ah oui. Et quand tu partages d'écran, il y a tout qui plante, ouais. Non, j'ai genre juste. Tu sais, quand tu arrêtes de streamer, t'as les deux croix en fait. T'as arrêté de streamer. Oh non. Ça fait 10 minutes que je parle toute seule. Et j'étais là, mais vous êtes bien silencieux, dis donc, vous êtes concentrés. Oh non, non, non. Tu es en solitude, dommage. Seul. Alors, j'hésitais avec cette queue de cheval-là. Oh non, ça fait trop de la peine. Vous êtes bien silencieux, quand même. Ah, non, même ça, vous répondez pas. Le groupe d'aventuriers, c'est les punks à chiens, mais comment ça? J'aime bien cette queue de cheval, mais je crois que celle-ci, la tresse infinie, c'est quand même un objectif de vie, on est d'accord? Un peu punk à ours, mais tranquille. Du coup, genre, est-ce qu'on fait la tresse infinie, sachant que ça, c'est mon rêve depuis toujours? En plus de ça, elle a fait un chouchou avec ses propres cheveux, et ça, on adore. J'ai pris soldat. Non, pas celle-là, la queue de cheval bohème, un peu coiffée, décoiffée, genre j'ai fait une queue de cheval avant de prendre ma douche. On a deux marques pour la team, je crois pas, non? Si, peut-être, je sais pas. Ah bon?
Qui d'autre a fait Bard? Après, Vite et Rêve, La Tresse. Louise, t'as pris Ensorceleuse. Salin, oui. Moi, j'ai pris Barbare. Ponce a pris Bard. Et Ulka, t'as pris quoi? J'en suis pas encore là. Ça arrive. Je me dépêche. J'ai pris Mard. T'inquiète. Il nous faudrait un corps à corps, je pense, non? Bah moi je joue corps à corps. Il y a un barbare. Non mais tu sais genre des dégâts physiques corps à corps, genre une voleuse. Je sais pas si barbare ça fait corps à corps. Hein. Oh, elle est trop belle comme ça. Tu joues ce que tu veux. Bon après elle a l'air un peu coincée du huc hein, quand même. Après ça peut être aussi son personnage. Hein. Oh. Selon putain classe, mais il y a plein de coiffures coincée, qui hein. sont trop belles. On peut pas faire comme dans les Sims, c'est faire une coiffure par jour. Ça lui va trop bien là. J'ai pas croisé de coiffeur in game encore. Ah. Mais on peut peut-être quand même se personnaliser in-game, je me rappelle plus. Sûrement, on doit sûrement pouvoir refaire des coupes. Hein. Hear me out. Je passe artiste parce que j'ai beaucoup de charisme de basse et de dextérité. Du coup, je pourrais réussir mes jets de représentation et d'acrobatie. Nice. Ça me va ou pas? Ouais, ça me va parfaitement. Cool, c'est parfait alors. Ça me va de fou ce que tu viens de me dire. Je vais peut-être gérer les cornes d'abord. Pas de coupe pour l'instant. Ah. Moi, c'est la première fois que je fais un perso pas immonde sur un jeu vidéo, je crois. C'est vrai? Ouais, je crois, là, actuellement, j'ai un petit flow, mais après, c'est... On l'a pas vu encore, hein. Non, mais si, mais le personnage, je l'impose. Non, mais allez, vas-y, je réalise mes rêves. Je réalise mes rêves. Non, mais réalise tes rêves, là, c'est le jeu de ta vie, en fait. Ça y est, à fond. Ah, ok, les nœuds. Oui, c'est vrai que c'est un peu trop sage, j'avoue. Là, c'est terrible, hein. Ah ouais? Alors, les cornes. Ouais. Est-ce qu'on les fait... cornes, tu joues Tiefeline? Oui. Ok. Ah, c'est des petites démons, là? Ouais, j'adore. Tout le monde va très mal te parler, ça va être incroyable. Super. Mais tu spoil. Je crois que c'est écrit dans le lore, quand tu passes sur le lore des classes, il me semble que c'est écrit qu'ils sont un peu persécutés. Grève dorée, oh là là! J'ai mis du plaqué or sur mes cornes, parce qu'en fait, je suis quand même un peu cheap. Hein, On peut personnaliser les cornes, du plaisir. Ouais, genre là, j'ai plein de modèles de cornes, mais du coup, c'est horrible, en fait, je sais pas quoi choisir. Oui, bien sûr, Ocarina, la semaine prochaine, Ghostrick. C'est bizarre que je sois plus dex qu'un tel, non? Quelles cornes on choisit? Celles-là, elles sont pas mal, les picoirs de Malbolge. Je pense qu'on va faire un truc comme ça. Alors, Jim, Tortue Ninja? Rouge. Tiens, je vais pouvoir mentir et tout le monde va me croire, ça va être incroyable. Oh, trop bien. Le cheat code. Moi, j'aimerais bien qu'on puisse croire que mes cornes sont trempées dans du sang, le sang de mes ennemis. Oui. Pardon? Ça va? Mais je peux les embrocher techniquement. Allô? Comme ça, c'est pas mal. Je crois que j'ai fini. Ça paraît fou comme ça. Quoi? Ah ouais? Quoi? Je vous jure. Alors, j'hésite entre celles-ci qui sont en vrai trop stylées. Celles-là, elles sont pas mal. En fait, c'est ça le problème. Où je vive celle-là, hein? J'espère que le changement de classe ne va pas reset son perso. Ah. Non. Alors normalement, non. Hein. Si tu changes pas de race, je pense pas que ça change ton perso. Hein. Pourquoi je ferais nimp avec mes stats? Je viens de lire ça dans le chat. J'ai les stats de base. Oui, je sais pas. Il pète les plombs, je pense. Mais surtout qu'il voit pas mon écran, donc... Ah grave, j'allais dire, mais comment ils savent? Et ça confond les femmes, super. Ah, y a peut-être de ça aussi, hein. Non, je suis encore dans la personnalisation, y a pas de stats. Bah, ils confondent peut-être tout aussi, hein. Elles sont peut-être un peu trop imposantes, celles-là. Gris chaud. Bah, je suis dex... Enfin, les stats de base, j'ai un point de plus de dex que d'un tel. Ah, avec ça, je pense qu'on passe pas les portes, j'avoue. Les cornes sont trop hautes. Celles-là, elles sont belles. Vous êtes donné des petits prénoms ou pas? Ouais. Enfin, je sais que vous en êtes pas tous là, mais...
J'ai déjà nommé mon personnage. Ou elle. Un ou deux. Ou trois. Non, vraiment, ça y est, j'ai fait le choix entre deux. Un ou deux. Un ou deux. Vas-y, on fait un Paul. Paul. Et on a dit au niveau sort mineur, on choisit ce qu'on nous propose ou en vrai on... Je laisse deux minutes. Je répète. Alors toi, tu joues quoi? Tu joues barde? Ah oui, tu peux deux. Déjà quand même choisir. La couleur n'est pas encore en compte, ok? Oui, oui, c'est vrai que aucune tu peux déjà des deux. Choisir, ah ouais, pourquoi? En vrai, Lilé. T'aurais mis lesquelles, toi? Bah ouais. Ça te prendra deux secondes de les lire. Ah putain, celle-là. Sachant que oui, il faudra qu'on parle après. Enfin, vous verrez que les sorts, c'est particulier avec le système de. Entre les repos, tu peux balancer qu'un certain nombre de sorts et tout. Et ah ouais, non, on annule. Celles-là, elles sont trop belles. Mais parce que. On prend celle-là, c'est bon coup de cœur. Tu vas vraiment envoyer sur les ennemis ou quoi? J'ai fait un sondage, mais en fait, j'ai choisi sur moi-même. Sur les ennemis, je risque d'envoyer pas mal, mais au corps à corps. Quoi. C'est-à-dire, si un ennemi est loin, il va falloir déjà que j'aille à son cac. Ok, ok, ok. Parce que moi, si tu m'envoies vraiment chez eux, moi, j'ai protection contre les armes. Ah oui, les attaques contendantes tranchantes perforantes vous infligent des dégâts réduits de moitié et tu m'envoies. Le problème, boum, c'est qu'envoyer quelqu'un, c'est. J'avoue, je crois que tu prends des dégâts. Si je t'envoie loin et tout, je crois que tu peux prendre cher. Ouais. Je vais plutôt envoyer des chaises en vrai. Ce sera déjà bien. Oui, ouais, de toute façon, en fait, c'est vraiment de toute l'histoire. Il y a du reset. Hein, si un sort vous plaît pas et tout, entre les repos et tout, tu peux changer tes sorts. T'es pas limité à ce que tu prends là en fait. Ah ok, bon, c'est bon alors. Il y a beaucoup de systèmes de respect dans le jeu. Tu peux même changer de classe si tu veux. Si genre Bard ça te plaît pas, tu peux devenir clair, tu peux devenir ce que tu veux. Ah bon bah chill alors. Ok ok, ça va alors. Pas pour le Bard. Oui, mais pour le Bard tu dois. En fait, il y a des sorts que tu choisis. Que tu peux pas là changer entre les combats, mais que tu pourras respect plus tard contre des golds par exemple. Ouais, celle avec l'or, elles sont ça. Ok, tranquille alors. Chill. Oui, c'est assez tranquille. Ok, ok. Comme ça. En plus. De toute façon, on n'est pas en difficulté max, donc ça va, tu vois, les ennemis vont pas être cauchemar. Une question pour les pros là. Tout lui va, donc franchement, choisis ce que tu préfères. Un encensoleur poussiéreux 1. Mais je pars sur un. C'est sympa, tempête, non? Ou taupe. Et je pars sur un drakeïde blanc, genre pour faire des poussiéreux. Combos. Poussiéreux, c'est au lieu pas mal. De partir sur un bleu, c'est ok. Que bleu, ça, c'est là, c'est too much. Je sais qu'il y a une différence entre fou des trempettes, là, ça a l'air d'être. Et foudre électrique. Je pense que comme ça, c'est bien, vous en pensez quoi? Ça va être la cour au Baxi. On dirait qu'il y a eu le sang de ses ennemis sur les cornes. J'ai un bug dans taupe, le jeu. Taupe, ça jure moins. Ah ouais? Attends, taupe. Des pop-up de Twitch. Au secours. L'ensorceleur Sarkozy. Moi j'aime bien comme ça. Ouais. Moi j'ai des bons bâtiments. C'est un peu corne naturel genre. Et du coup les cheveux, on n'a pas choisi la couleur. Hein. On me dit y a pas de problème. Zéro ouais, problème. Je pense qu'il y a zéro problème. Ce verre est horrible. Tu joues ce que tu veux, il y a pas de problème. Hein, ouais. Sachant que je peux changer si j'ai bien compris. Y a des... Elle a des mèches. Enfin, je vais pouvoir changer le. Les. Merde, comment ça s'appelle? Choix 2 pour les cornes. Ok, super. Ah, j'ai perdu le mot. So long. Avec ses aides. Je vais pouvoir changer le. Les spés, les propriétés, les éléments, Les éléments des sorts. Les hautes elfes sont plus belles. Oh non, me dis pas ça maintenant qu'on a choisi les. Déjà, j'avais dit, ouais, je vais juste regarder. Et au final, on a choisi cette catégorie-là. Non, mais en vrai, c'est horrible. Elle a pris quoi, Florence? Je peux pas tout changer maintenant. On me dit qu'apparemment, si tu prendrais Kate Bleu, c'est juste que ça te donne un sort gratuit. Moi, j'aime trop les. Déjà parce que t'as pris un sorceleur en fait. Donc, J'aime trop les petits diables comme ça. Les okay. Les. Elf, Dro, c'est quoi? C'est demi-elf? Oui, c'est vrai que le min-max sert pas à grand-chose. J'adore ta Tiflin. Ah. J'ai dressage, moi, en compétence. Je savais même pas que... Ah, elfe noir. Armure légère, intermédiaire, bouclier, arme de guerre. Arme courante. Ouh. Ça, on va jouer demain. Hein. Enfin, on va jouer arme à demain, pardon. Ah oui, j'étais on en mode non, c'est vendredi, mec. On va aussi jouer demain, mec. J'étais en mode c'est vendredi, mec. Arme à demain, arme. Moi, demain. Je pensais qu'il disait ça dans le sens où, bon, bah, vu que la créa elle prend 30 ans, on jouera demain. Bah, c'est pour ça, je me suis dit, pour pas que ce soit ça, je veux dire, merci, arme à demain. Merci Seb, 217 bits, merci beaucoup. Tu pars sur quelle classe, Ultia? J'ai pas encore choisi. Ok.
Mais c'est le plus rapide, la classe, finalement. C'est noir à reflets rouges, waouh. L'ensorceleur de la tempête va obtenir une résistance à que le drakeid bleu a déjà. D'accord. Ok. Je sais plus ce qu'elle avait de base, en fait. Je peux pas retourner en arrière. Ah, bien ce qu'elle avait de base. Magnifique, hein, c'est très grave. Un blanc, mais un blanc pas trop prononcé, genre comme ça. Les mèches, elles sont là. Ça, c'est pas très ratus. Merci Obi-Wan pour le 16e mois, merci beaucoup. Ou alors on fait l'inverse, on met les cheveux noirs. Ah, bonne décision. On fait ça, et on met ça. Sont ouf en vrai. Ah ouais, Divinity, c'est. Après, te reste le dans la tête pendant 1000 ans. Tellement iconique. C'est trop bien. Ouais. C'était pire dans le jeu d'avant, parce que dans le jeu d'avant, tu pouvais choisir un instrument qui était lié à ton personnage. Vrai. Et en fait, du coup, en combat, quand tu faisais certaines actions, la musique était impactée avec l'instrument de ton personnage. Okay. Genre, si tu faisais un coup critique, il y avait une petite flûte qui se lançait, des trucs comme ça. Wow. Ils ont enlevé cette option-là. Ah ok. Après il y a peut-être d'autres trucs que j'ai pas remarqué sur la musique mais. Tu peux toujours je crois. Ok bon c'est juste ça m'est pas arrivé encore perso. Oh, j'adore comme ça. Merci Régie. Ça, c'est pas très ratus. On valide ? Ok. Bon, pas de pilosité faciale. Ça va vite. Juste... Je suis curieuse. C'est vrai qu'il y a un petit plot twist qui arrive là, en vrai. Ah ouais ? Oh non ! Je ne dis pas que tout ça sera inutile. Non, non, ça va pas être inutile, là, mais non. Disons que... Bon, vous allez voir. Oh non. Non, non, ça, tout ce que tu fais est utile, là. Genre, ah. Y a pas de soucis. C'est juste que... Avant qu'on joue, il y aura d'autres trucs, quoi. Ah, je crois savoir. Je crois que j'ai vu un tweet. Ah, j'ai pas choisi les yeux, le deuxième œil. Il commence à spoil, mais j'ai rien spoil. Il dit juste que... voilà. Si, si, faut que je lui mette du maquillage. T'en es où, Pompon, toi ? Comme ça, ouais, j'adore. Pardon, je faisais mes spells. J'essayais de comprendre aussi tous les systèmes, concentration, etc. etc. Donc, mais c'est good. J'ai des trucs... franchement, j'ai... Je suis très content de jouer Bard. Ouais. T'as quoi comme sort en Bard, là, par exemple ? Bah, j'ai le soin à distance. Donc, okay, juste les gens que je vois. J'ai le fear. Le fear, okay. Voilà. J'ai aussi le fou rire. Donc, c'est une espèce de stun, je crois. Une cap de 10 tours. Hein. 10 tours d'incap. Et ensuite, j'ai héroïsme. Ça va te plaire chez You. Donc, c'est quoi héroïsme déjà ? Immunisé contre l'état effrayé. Tu récupères 5 PV tous les tours pendant 10 tours. Ah ouais, je vois. Voilà. Non, c'est et cool, là, j'ai l'air d'avoir des bons sorts de support en vrai. Franchement, ouais. Franchement, ça, c'est la régalade là. C'est pas mal. Comme ça. Et j'en ai plein d'autres. Je pense que je finirai par changer et tester des trucs, mais c'est comme très stylé. Très très stylé. Down by the river. J'ai pris aucun sort de retrait et tout et de. Tu vois bien, t'inquiète. Non, mais je suis là. C'est vrai. Tu seras loin dans les combats, comme ça. De toute façon. Ouais, mais bon, on sait jamais, tu sais. Et donc, on lui a pas mis de make-up. À coup dur, le make-up. Pas mis de make-up. Aya.
Aya. Ah oh, ma chérie, le double liner cut crise, franchement on adore. Hein. Ils étaient à la mode hein, sur Baldur's Gate 3. Hein. Incroyable. Oui, mais les bails de concentration et tout, j'expliquerai après parce que sinon... C'est l'enfer. En fait, faudrait un... Sortirons-nous du Nautiloïde. Mais ouais, ok, c'est maintenant c'est le charisme qui renforce les spells d'ensorceleur. Je crois que je vais pas mettre de rouge à lèvres. Toi, je crois que c'est charisme et sagesse, Louise, ouais. Dex ou genre vraiment comme non, ça. Dex Intel apparemment me dit que ça sert à rien sur toi. Bah, je suis acrobate quand même. Hein. Ouais, bah, après, mais ça acrobate. Ça peut être charisme et constite, hein. Bah, la constite, c'est important pour tous les gens qui lancent des sorts parce que c'est ce qui te permet de sauvegarder tes sorts. Non, mais c'est du gloss fenty qu'elle a. Je me suis mutée pour dire ça parce qu'ils vont en avoir marre, je pense. Ouais, mais j'ai pris les stats de base, c'est les plus élevés. Oh, oui, elle a mis du gloss. Alerte, on peut mettre du gloss. J'en ai déjà mis. Hein. Oh là là. J'ai les lèvres en full métallique. C'est le gloss Fenty Beauty, c'est quelle teinte? Je lui demande. J'adore. Ok, parfait. Mais ouais, c'est bien parce que du coup, je pourrais acheter les objets pour vous, vu que ce sera moins cher pour moi. Parce que t'as beaucoup de charisme. Ah oui, j'en ai 17 de base, donc... Après, est-ce que ça impacte les prix directement? Je sais plus. Oui, influence les prix des commerçants. Ah ouais. Ouais. Ah là, les larmes, là, c'est trop beau. 17 de charisme. J'aurais bien aimé faire comme dans Batman, là, le maquillage avec les larmes dorées, là. Mais on peut pas faire ça. C'est vrai qu'on a un barde aussi qui a du charisme et de la... Ah bah, barde, ouais, ça doit être full charisme. Moi, j'ai 10 en charisme, hein. Je peux pas vous mentir que je suis pas... C'est toi qui feras les dialogues, hein. J'ai 8 d'intel, bon... Incroyable, quoi. Pas 17 stylé, de force, voilà quoi. Genre, mon mascara cool. C'est vrai que t'as 17 de force. C'est stylé, non? C'est une aventurière. Comme ça, en noir. Sachant que la Dex. Oui, c'est ça. Parce qu'en fait, le truc, c'est que j'aurais bien aimé mettre un truc genre rouge. Paladins, mais quand même un contour noir, et c'est pas possible de faire ça. Aussi, parce que si tu mets genre en jaune, genre on dirait de la peinture, tu vois. Enfin, genre, si tu mets une autre couleur, il y a vraiment tout qui est peint de la même couleur et il n'y a pas de reflet. Enfin, genre, j'aurais bien aimé quand même un contour noir, on voit plus les cils ni rien. Je trouve que c'est dommage. Alors que si tu mets tout noir, c'est très bien. Je crois que c'est le tout premier Fallout où vraiment, si t'as pas assez en intel, tu peux pas parler aux gens. Je pense qu'on va faire ça. Parce que tu sais pas parler, tu sais pas t'exprimer. Et Bon, par contre, elle est trop belle. Hein. Et la couleur de peau, c'était où déjà? Elle a un vécu. Ah là, elle vient de se faire larguer. Hein. Elle a un peu. Dur, gagne 1 et 2, un peu coup dur, aussi, quoi. Effet moiré sur les yeux, bien sûr. Attends, je ferai. J'ai un spell qui fait. Effet moiré. Non, c'est pas là. Qui fait 24 dégâts, quoi. Comme ça. Je connais son nom, pas son histoire. Merci, Mémotitide, pour le 40e mois. Merci beaucoup. Ok. Ah voilà, la couleur de peau, juste pour être sûr. Beauté, hein. Oh là là, la chanson. Comme ça, c'est bien, je pense. Allez, je sais pas, les... Par contre, on peut pas changer ses sourcils? Non. Hein, arrête. Ah non, je peux pas. Oh non, t'as un mono-sourcil? Ben non, mais on dirait que je viens de me faire du... comment ça s'appelle? Du... Mais tu ne peux pas. Du micro-needling, genre, ils sont parfaits. On dirait que je sors de l'atelier du sourcil. Je voulais être une aventurière, moi. Le sourcil broussailleux. Ouais, je voulais ça, moi. Allez, choisis ta classe, t'es parfaite comme ça. Ok. Les gens expéditifs dans le chat. Allez, c'est super, t'es trop belle. Vas-y, choisis ta classe, s'il te plaît. Attendez, elle a pas choisi la cicatrice, là. Si, ça y est. Sa tête, c'est bon, je pense.
Du coup, la classe, comment on fait pour... Bah, la classe, c'est dans classe. Enfin, classe. Classe et ah, ok, après, j'étais tu... barde, là, ouais. Sachant qu'on on a barde, on a barbare, on a ensorceleur. Et bah, je sais pas ce que t'aimes bien jouer dans ces jeux-là d'habitude, mais y a un peu de tout dans le... Y a une petite voleuse, là. En vrai, je suis premier Doug, un peu choqué qu'on puisse pas choisir les sourcils, sachant que ça change tout un visage, mais ok. Oula. On va choisir le nez non plus, mais quel dommage. J'avoue, roublard, là. Ah ouais, roublard, je pense que pour voler les trucs et tout, c'est stylé. C'est stylé, non? Oui, oui. Moi, je joue souvent roublard. Non, mais moine, il faut arrêter. C'est quoi, c'est le dégaine de Babos? On arrête. Tu dis pas du mal des Babos. Excuse-moi, j'ai attaqué tes frères. Bon, on respecte les Babos, ok. Je suis un gosse de rue qui a un tambour dans le cul, donc tu vas redescendre de suite, je t'en conjure. Gosse de rue qui a 65 ans dans le jeu, là, non? Oui, mais je suis enfant de la rue, si tu préfères. Enfin, de la rue. De la rue. Ouais, de la forêt. T'as connu la rue, quoi. Ouais, c'est ça, de la rue forêt, quoi. T'as connu le sentier, quoi. Ouais, c'est ça, de fou. Mec, je suis vraiment un mec du enfant du sentier. C'est pas très exactement. Merci Tsuya pour le 22e mois de Prime, de base, hein. Merci beaucoup. Ouais, en vrai, t'emmerdes pas là-dessus. Parce que là, ça m'a l'air compliqué, quoi. Ouais, c'est fine, ouais. Ah, on peut pas personnaliser... j'avoue, Tifelin, on peut pas personnaliser la queue de démon? Non. Dommage. Oh. Moins 4 points sur Metacritic. Ouais. Là, entre sourcils et queue de diable, c'est sourcils et queue. Mais par contre, tu peux personnaliser la queue, quoi. Mais bah ouais, franchement, le sens des priorités, on a compris, quoi. Rôdeur. Vous avez aussi... ouais, il y a les extensions qui permettent de voir nos stats et tout. Hein. Ouais. C'est pas mal, Rôdeur. Traquer ses poids. C'est poids trop et t'as un pet, apparemment. Rôdeur, tu peux te spécialiser pour avoir un pet, ouais. Tu auras un loup avec toi. Ou alors, Rôdeur, tu peux spécialiser pour faire dégâts distance avec des arcs en hauteur. Genre, tu te mets en hauteur et comme ça, tu peux plus facilement tirer sur les ennemis. Il y a une autre spé pour Rôdeur, je sais plus laquelle c'est. Sûrement un truc de communion avec la nature, je sais plus. Ou des pièges, je sais plus. Alors, j'hésite. Qu'est-ce qui est le plus facile à prendre en main entre Roublard? Bah, Roublard, tu sais, ça va être... tu vas aller dans le dos des ennemis et mettre des coups critiques, quoi, en gros. Avec des dagues. Ou taper à distance avec des arcs aussi. Occultiste, alors que ça a l'air sympa. Occultiste, je connais pas du tout pour le coup, par contre. Je sais que c'est des sorts, mais... En sorceleuse. Ah ouais? Rôdeur, ça a l'air sympa. Le fait qu'il y ait un pet, ça me... Et en plus, normalement, c'est toi qui le contrôle, je crois, le pet. Une fois qu'il est invoqué en combat, tu lui dis quoi faire. Elle est stylée en occultiste. Parce que Rôdeur, c'est sa tenue qui est un peu anti-mode, en fait. Après, tu peux perso tout ça. Hein. In-game, okay. Tu vas trouver des vêtements normalement, quoi. Ok, et ok. Tu startes en effet avec des vêtements de classe, quoi. Magicien, pas mal. Je sais pas la différence entre magicien et sorceleur. Bah, comme je disais tout à l'heure, en sorceleur, c'est plus vraiment pour faire du damage. Et magicien, ça peut être tout type de magie. Les illusions, les enchantements, les trucs, les soutiens. Magicien, il fait toutes les magies. En sorceleur, il est plus là pour laisser les éléments se libérer, quoi. Bon, en tout cas, le chat a l'air pour Rôdeur. En plus, ils me disent que c'est plutôt genre bien pour les débutants et que ça complète bien la team. Donc, je vous écoute. Rôdeur, clairement, c'est plutôt classique. Okay. En plus de ça, du coup, tu seras plutôt Dex. Donc, ce sera toi qui va crocheter les serrures, ce genre de truc. Ok. Bon, bah, je change pas les sorts ni rien parce que, voilà. Avantage. Normalement, c'est bien fait de base. Hein. Ouais, non. En plus, je suis vraiment... Ah, je peux choisir Gosse des rues, historique. Parce qu'est-ce qu'il y a? J'ai cliqué sur continuer. Ah. Je clique sur continuer ou pas? Vas-y, tu peux prendre de l'avance, mais vous allez comprendre pourquoi. Vous allez comprendre pourquoi on va péter les plombs en fait. Ok, je continue alors. C'est parti. Quand t'as choisi ton pseudo, tu peux faire continuer. Donc historique, c'est mon lore, hein, c'est ça? C'est ton lore et ça t'apporte deux compétences pour chaque truc. Ah, je vois ça. Acolyte, charlatan. Trop bien, tromperie, escamotage, criminel, tromperie et discrétion, artiste. Bon, ça a pris gosse des rues, c'est ça? Toi, Chiche, t'as pris quoi? J'ai pris soldat et Louise a pris... T'as pris quoi, Louise, comme background, déjà? Pardon, artiste. Ok. Artiste.
Il doit y avoir des trucs pour toi, genre justement un truc voleur ou des trucs comme ça qui te font... Ouais, rôdeur, ça va être... Ouais, des trucs escamotage et tout, ça c'est pas... Survie ouais. Pour rôdeur aussi, on me dit c'est cool. Escamotage, c'est des trucs... Charlatan, ouais, c'est ça. Compris escamotage. Après, tu peux prendre clairement ce que tu veux, c'est pas, ouais, mais en vrai, c'est pas obligatoire. Quoi. Comme ça, t'as déjà des avantages dans ces stats, ça, ça t'aidera à être excellent dedans, quoi. Héros du peuple, ouais, mais c'est pas un tu vois. Prenons le parti des petites gens, n'hésitez pas à affronter les tyrans et monstres. Comment ça, il me faut un ange gardien? Non, j'ai besoin de personne, je suis un enfant de la rue. Et c'est le plot twist. L'ange gardien. Étranger. Après, l'ange gardien, honnêtement, en 22 heures de jeu, je l'ai pas vu une fois. Vous avez grandi dans les contrées sauvages. Il intervient dans l'histoire et tout, mais pour l'instant, je l'ai pas vu. À survivre loin du confort de la civilisation. Et du coup, on prend ce qu'on veut. Enfin, on s'en fout, quoi. Soit tu t'en fous, soit votre expérience des dangers liés à de tels environnements vient s'ajouter à vos compétences et à votre compréhension du vaste monde. Ça, c'est pas mal, en vrai. Merci la page pour le 25e mois, merci beaucoup. C'est quelqu'un qu'on connaît depuis longtemps. Quelqu'un qui... Non, c'est un peu mystérieux. C'est genre quelqu'un qui veut pas que tu meurs, mais on sait pas pourquoi. Classe. Qui te protège sans que tu saches pourquoi. Les années passées à sillonner les régions les plus reculées vous ont appris à connaître les bêtes sauvages. C'est trop cool. Mais non, ils m'ont dit de pas bouger, les sorts et tout. Je sais pas si c'est une mécanique de D&D à la base, j'en ai aucune idée, mais... J'ai pris rôdeur comme classe. Là, en tout cas, en effet, tu dois personnaliser. Ils m'ont dit de pas toucher ça. Ça, c'est les sorts. Un nain ou un gnome. Ils m'ont dit de laisser comme ça, que c'était plutôt bien fait, quoi. Petit personnage. Si. J'ai pas compris, du coup. Celui de base, il est stylé de fou, hein. Alors, vous m'aviez dit de pas toucher les sorts, mais là, dans le chat, ils me disent que je peux choisir un ennemi juré. Ah oui, ouais. Ça, peut-être avec Rôdeur, tu peux choisir un ennemi juré pour que quand on tombe sur cet ennemi-là, tu fasses plus de dégâts ou tout comme ça. Ok. C'est des choix pour ton perso, ok. Alors, explorateur né, les années passées à sillonner les régions les plus reculées vous ont appris à connaître les bêtes sauvages et à survivre à différents environnements. Dresseur de bêtes sauvages, vous avez tissé des liens étroits avec les animaux, appel de familiers, sans dépenser d'emplacement de sorts. Tout ça, ça me va. Ennemi juré, le temps passé à étudier les tactiques et caractéristiques de certaines créatures vous ont permis d'acquérir un savoir-faire utile dans bien des situations. Briseur de mages, vous avez l'habitude d'affronter le lanceur de sorts. Vous maîtrisez les compétences arcanes, vous pouvez lancer coup au but. Moi, ça me va, hein. Oh. Hop là. Non, mais ça m'allait en vrai, hein. Et ça, je touche pas, c'est ça. Du coup, je commence H en vrai. Caractéristique, je touche pas ça. Ça, ouais, ça en vrai, ça sert à rien de... Ok. Quand t'as jamais joué. Même moi, tu vois, genre, j'ai déjà joué et pour autant, j'ai pas envie d'aller dedans. Pas touche. Ok. Bon. Elle vous plaît comme ça? Hop là. C'est vrai que c'est marrant qu'on ait un ange gardien chacun. Un ange gardien du groupe. Ouais, non, on valide, hein. Pas mal aussi comme ça. On peut avoir d'animal. Ouais, on a vu, Guillaume, mais le fait qu'il y ait une protection à l'avant, à l'arrière, le fait qu'il y ait la date qui date de fin juillet, il y a plein de trucs qui me font dire est-ce que c'est vraiment le mien, tu vois. Ouais, je crois que j'aime bien le gris, moi aussi. Vous validez? Vas-y, je touche pas, affreuse bête musicale. Tu me déranges pas, Guillaume, t'inquiète. Moi aussi, je me suis posé la question en le voyant. Je me suis demandé, et même encore là, je me le demande, hein, si c'est pas le mien, hein, tu vois. Oh mon dieu, il est si stylé, mon nain. Mon ange gardien, ouais. Mon ange gardien. En plus, elle pourra se fondre en milieu rocailleux. Ok, allez, on valide. Quoi ?
Elle est grise. Ok. Bon, c'est prou, hein. On a la rêve sur V-Rising, c'est prou. Dilf. Le Dilf. Le Dilf. You le need a guardian. Le dwarf, I want to... Ne dis pas que c'est ça. Oh non. Non. J'ai non, pas le Dilf. Non. Oh non, pas le Dilf. Le dwarf, I'd like to... Too fancy. Too fancy. Too fun, quoi, too fun. Aïe. Vous avez appelé vos personnages comment? Choc barbe de Ouvzer. Oh putain, j'en ai marre. Bon bah c'est bon, vous voyez, ça va, le nom que j'ai mis. Moi c'est Jerry Khan. Moi je l'ai appelé non, c'est pas Moonja vrai. Qui veut dire... Si, tu l'as moi, appelé c'est comment, Jerry Louise Khan. Moonja qui veut dire éclair en croate ou en serbe. Quoi? Parfait. Comment ça parfait? Nickel. Bah, au moins quelqu'un, qui fait, au moins quelqu'un qui fait un effort. Bah j'ai fait un effort, moi je viens de la haute société, j'ai la particule 2, je viens de la contrée de Ouvzer et je m'appelle Choc Barbe. Moi j'ai jamais connu mes parents, je m'appelle Jerry. C'est tout, qu'est-ce que tu veux que je te dise? J'ai rigolé quoi. Tu t'es appelé toi-même en fait. Bon c'est qui oui, mon c'est ange gardien? Alors l'ange gardien comme dit, YOLO. On va pas le voir quoi. Ouais. En fait. Ah ouais? C'est vraiment genre, j'ai joué 22h, j'ai toujours pas vu mon ange gardien dans ma partie solo. Donc c'est... Faire l'aventure. C'est un peu de la brasse en vrai, l'ange gardien, en mode de ce que j'en retiens. Mais c'est globalement un personnage qui nous protège, on sait pas trop pourquoi. Elle, on adore, hein. Je sais pas qui prendre. Ngityanki. J'ai déjà pris Draw dans ma vraie save, solo. Elf. On peut rester genre demi-orc, protège. Elle a pas demi-orc. De nez. Écoutez, arrêtez les discriminations. Oui, elle, on dirait Maglin, c'est... Magla, c'est flippant, elle, là, ouais. Oui, le bad. En fait, je suis... Oui, elf des bois, en fait, mon ange gardien. Pas elf du tout, en fait. Ah ouais, non, mais vraiment pas, quoi. Bah attends, elle est incroyable, hein. The fuck. Tiflin pour faire un ange démon. Avec son carré plongeant, c'est validé. Hein. C'est pas bête, hein. On choisit notre ange gardien, mais du coup, je sais pas qui prend... Mais je crois qu'elle est parfaite là, je vais rien faire du tout. Hein. Je touche à rien. Je lâche tout. Partir à l'aventure. Ah non, j'attends pour partir à l'aventure. Je crois que si. Ouais, je crois qu'il faut qu'on parte tous en même temps, mais je suis pas sûr. Ouais, je sais que je peux personnaliser, bien sûr. Ah ouais, les cornes. Je peux. Non, je crois qu'on peut valider, on m'a dit. Vous êtes sûr, hein? Si tu peux, en fait, tu peux valider, mais après, in-game, tu vas devoir attendre, je pense. Enfin, en gros, tu vas arriver à un endroit et tant qu'on n'est pas là. Allez, on prend elle. Ouais, mais après j'ai peur de tout casser parce que là vraiment mon ange gardien me protège quoi. Donc Il est trop chouette. Non, je peux pas modifier, je peux pas. Elle est trop mignonne. Elle. Ah mais voilà, c'est bon. Oui, non, j'ai mis partir à l'aventure et ça attend dans le hub, je suis avec mon perso, je suis prêt et on attend d'autres D'accord. joueurs, c'est bon. D'accord. C'est ok en vrai. Nickel. Putain, Jerry Khan, quel flow exceptionnel. Quel crack ce Jerry. Cinquième. Il est exceptionnel, Jerry. T'as trop hâte de les voir. Ouais, même moi aussi, j'ai hâte de voir vos persos là. Where is the personnage? Non, Jerry par contre, j'ai pas Khan. Nommé. On n'a pas nommé notre ange gardien. Tu peux pas, je crois pas. Ah, mais on n'a pas choisi ça. Follow your instincts. Sa classe non plus. Follow your instincts. Tu peux pas non plus. Ouais. Don't be afraid. Tia Ismoki là, sur l'ange gardien, hop là. C'est mon dragon avec sa peau de sirène là. Y'a rien à gauche de l'écran, je crois. Allez, je me dépêche. Je crois, hein. Ah, faudra voir une game. Qui dépasse de l'écran, comment ça? Elle est trop mignonne. C'est pour où tu mets ta cam? Ou la cam, je la mets en bas à droite, mais un peu en haut pour laisser les trucs, j'ai cru capter. Ok. Je crois. Et non, c'était pour Discord, là, juste la petite liste Discord. Ah, oui. Ah bah, y a beaucoup d'interfaces in-game, mais globalement, si t'es. Je crois qu'en haut à gauche, c'est pas ça. Je crois, hein. Oh
J'ai trop hâte de jouer. Moi aussi. J'ai trop envie de jouer, c'est horrible. Ouais, elle est belle comme ça. Tu fais ton ange gardien, le tien ? Ouais, c'est ça, mais je vais vite en vrai. Parce que j'ai pris un pattern que j'aimais bien, donc... Vas-y, on dit qu'elles ont le même tatouage, du coup. Quincy. Enfin, il doit y avoir un lien, quand même, tu vois. En vrai, on n'a pas mis tant que ça, je trouve, pour les faire les persos. Ça va. Ça va. Bah si, ils sont tous en train de dire « je vais vite », entre guillemets, en mode lul. Mais bah... moi, je trouve que, franchement, vous imaginez même pas à quel point je vais plus vite que si j'avais été toute seule. Enfin, je te comprends. Mais c'est vrai que Dragon, il n'y a pas non plus énormément de choix. Ah ouais, bah oui. Ça aide à aller vite, quoi. La petite Luna, elle est trop mignonne. Si, si, le chat, on a fait les anges gardiens. T'as validé, là ? Ah oui, c'est bon. Moi, j'ai validé, moi. J'ai fait une ange gardien de Hoover. Qui protège littéralement de Hoover, donc. J'ai pas encore choisi la coupe. C'est après le jeu du siècle, quoi. Toi, tu joues un peu en solo et c'est cool aussi en solo niveau plaisir. Ouais, en solo, trop bien aussi. Bah, en fait, okay. Parfois, c'est peut-être un peu mieux. Ah, après, par contre, tu. Parce que t'attends pas les autres pour jouer, quoi. Tu dois jouer 4 persos, par contre, du coup. Quand tu dois bien stuff tes 4 persos, j'adore. Faire gaffe. Hein. C'est plus chaud, quoi. Mais c'est cool parce que, du coup, ouais, en effet, t'as jamais à wait ou t'avances et puis tu gères. Oui, c'est ça. Après, nous, on va attendre, mais en discutant entre nous. Donc c'est oui, voilà. Okay. Non, mais c'est deux façons de jouer au jeu, quoi. Ouais. Les deux sont vraiment très bien. Divinity, on a fait une semaine de gameplay. On se levait, on faisait ça. On dormait, on se levait, on faisait ça, tu vois. Et c'est vraiment trop, trop, trop bien. Vous avez combien de points de vie, vous ? 14, on start. Ok. Moi, 9. Ok. Ah non, des chips, nous. Bon, on va vite monter avec les levels normalement. Ouais, mais toi, t'as dit qu'en 22h, t'étais niveau 5, genre. Je suis pas encore level 5. Ah, j'avoue, ouais, l'œil plus clair côté griffure là, comme si c'était passé un truc depuis elle. Surtout qu'elle s'était fait avoir là, c'est trop bien. Non, c'est 12 le max. 12, voilà. J'explore tout, quoi. La moindre torche, j'appuie dessus, donc c'est infini, quoi. Et il y a la rejouabilité sur le jeu, genre une fois que tu l'as fait une fois. En vrai, tous les choix sont tellement différents que. Tu vas passer par les mêmes endroits, mais il y a tellement de façons d'accès, de résoudre les situations et tout, que tu vas jamais faire vraiment deux fois la même chose, quoi. Parce que moi, on m'a parlé de 17 000 variations de fins différentes. Alors ça, en vrai, je pense que c'est une sacrée brasse, dans le sens où, de fait, tu as sûrement 17 000 possibilités de dialogue en tout pour la fin, tu vois. Bah après, je pense pas qu'il y ait 17 000 cinématiques de fin, quoi. Non, ça c'est sûr que non, ouais. Non. C'est juste que t'as 17 000 variations de quel dialogue. Enfin, à mon avis, tu sais, ça dépend de avec qui t'arrives comme personnage à la fin. Qu'est-ce que t'as fait plutôt ça doit être assez ouf comme les ça, possibilités, mais ça se trouve il y a une dizaine de patterns différents, ça se trouve, et après qui sont démultipliés par les dialogues et trucs du genre. Oui. Ouais, mais en général, le gameplay sont pas les mêmes, surtout si tu fais des choix différents ou si tu te rappelles pas de tes choix, rien que ça. Trop belle. Et étant donné que tu peux tuer tout le monde dans l'univers, la moindre quête tu peux la résoudre soit en battant, soit en esquivant, soit en faisant un jet de charisme, soit en faisant tout. Et c'est ça partout, donc en vrai, c'est pour ça que le jeu est rejouable, parce que tu vas jamais vraiment passer deux fois de la même façon une quête. Et rien qu'en jouant un autre perso, Ouais, c'est ça. Et en fait, faut pas avoir peur du FOMO, parce que en fait, tu ne peux que louper des trucs, en fait. Tu peux pas tout faire, en fait, c'est impossible. Oui, bien sûr. Il y a des quêtes, tu valides un choix quelque part, ça te ferme des choix autre part, tu peux pas... Trop mignon, quand même. Faut assumer que t'es dans les rails d'une aventure et du coup de fait le jeu est rejouable grâce à ça, quoi. Ouais, tout à fait. À deux doigts de regretter de pas avoir pris mon ange gardien personnage principal. Tu vas tout refaire. Faut tout refaire, je pense, hein, vraiment là. Gameplay solo, ça. Hop, je vais me chercher un truc avant, j'arrive. Pas de problème. Il est lui. Oh ben. Oh. Comme ça. Comme ça, là. Oh, beauté.
balayer par le vent. Ah ouais, non mais moi, mes cheveux balayés par le vent, ça donne pas ça, hein. La coupe s'appelle vraiment balayer par le vent, mais JPP. Balayade. Mets-lui une... Comment on appelle ça? Une tonsure, un longe gardien. Une quoi? Une tonsure de moine. Ah oui, bah calvoche, parfait. Hein. Oui, c'est nickel. C'est sympathique le vent. Oh, on dirait Legolas. Il y a vraiment la coupe de Legolas. Hein. Comme ça, c'est pas mal. En side air. Oh. Comme ça. Twinzy le coupe des cheveux. Comme ça, c'est peut-être mieux. Re. Il y a une petite araignée dans mon bureau, j'espère qu'elle va bouffer les moustiques. Re. C'est un hoax, hein, ça marche ah bah, pas. Ah, bah, toute seule, hein. Je sais pas ce qu'elle va. Bah, je vais essayer de la booster pendant la soirée, mais bon. Vas-y, mets-lui un petit sort de soutien là. Allez, un joli roux comme ça là. Oula, elle sort de gigantisme sur l'araignée là. Hop. Attends, gigantisme, c'est qui aura ça? Je pense que personne l'aura là. Mais après, ouais. En fait, tu peux trouver des parchemins de sorts. Oh, moi ça peut m'intéresser ça. Et du coup, des fois, tu peux avoir un parchemin que tu lances une seule fois et qui fait gigantisme une fois. Je fais gigantisme sur un ours énorme et je lui parle, je l'insulte. Je l'insulte. J'ai envie d'insulter les ours. Mais non, mais j'ai moquerie cruelle. Vous insultez une créature, ce qui lui inflige un désavantage sur son prochain jet d'attaque. Je nous mettrai dans la merde à un moment, belle. Je pense. Le taunt. Au burn. Le taunt pur. Ah, peut-être l'ensorceleuse peut l'avoir en fait. Parce qu'après, il y a un truc craqué avec les magiciens, c'est qu'ils peuvent, à partir des parchemins, payer de l'or pour apprendre le sort ad vitam aeternam. Quoi. Ah oui, ok. Et du coup, que les ensorceleurs, quoi. Que les mages, d'ailleurs. Bah, les ensorceleurs, je suis pas sûr qu'ils puissent faire ça. Il y a des vraies insultes en plus à chaque lancer. C'est vrai? Bon, je vais spammer le spell. Hein. Connard! Dégage! Tu nous fais chier! Robert. Ah, ok. Putain, mais c'est bien fait, j'avais pas capté les cheveux blancs, la manière dont c'était intégré à la coupe, parce que mon perso avait les cheveux blancs aussi. Et en fait, là, j'ai un perso qui a pas les cheveux blancs et je viens de tester le truc grisonnant, c'est trop bien fait. Ouais, ça, plus les mèches, en vrai, tu peux faire des dingueries. Ouais. Le gaming. Le personalizing. Moi, mon ange gardien, c'est une drag queen. Oh, j'avoue. J'avoue, tu peux vraiment te faire plaisir avec le jeu, je pense, en termes de flow et tout. Tout faire. Attends, mais apparemment, ça, j'ai un point... personnaliser vraiment le visage à fond, quoi, mais... Bon, bah, j'ai un point pas distribué. J'ai vraiment un point pas distribué, là. Ça paraît bizarre, ça. Et si je fais retour, là, ça, c'est OK. Si tu fais retour, normalement, c'est bon, mais c'est bizarre que t'aies pas... Je vais vous donner un pseudo à Bernard. Mommy. Non, j'ai tout. Non, mais j'ai tout. Je sais pas pourquoi on m'a dit ça. Non, j'ai tout qui est distribué. Ok. On t'a menti. C'est bon. Menti. Putain, mais mes cheveux, j'en peux plus. J'adore. Elle est trop belle. Merci. Non, mais je parle pas à toi. Ok. Allez, hop. Et peut-être juste les persil. J'ai trop envie de game, là. J'ai envie de game. Là, j'ai envie que Jerrican il insulte des ours, là. Là, Jerrican. Par contre, j'avais pas capté la taille des mains de Jerrican. Il a des grandes paluches. Ah, je veux pas me la prendre dans la gueule, sa paluche. Vraiment, c'est quelque chose. Elle est trop stylée. C'est parti. Oh, oula. Comme ça, sans prévenir, là. Ah ouais, fallait. Non, t'inquiète. Je pensais que vous m'attendiez, en fait. Non, oui, pas du tout. Ok, j'ai une cinématique, moi. Bah là, même, hein. Ah, c'est beau. Ah, par contre, le son est pas monté lors des cinématiques, dommage. J'ai baissé un peu, forcément. Donc ça, c'est le perso qu'on va jouer.
et paf. C'est magnifique. C'est trop trop beau. Ah, vraiment, c'est magnifique, genre. En plus, moi, j'ai l'habitude de jouer sur Switch, donc j'ai... Enfin, perso, j'ai pas l'habitude de voir ce genre de choses, donc c'est un peu troublant. Moi, cinématique de 11 heures. Il y a vraiment le cri de Willem qui a été utile. Ouais. Ah ouais. Oh, je regrette Pokémon Écarlate et Violet, là, tu vois. OMG, c'est nous ou pas? Ah, c'est pas moi, en tout cas. Elle est synchro, la cinématique? Je pense. Là, c'est moi, j'ai lancé un truc, pour Bluetooth, le dragon. Du coup ouais, ouais, tranquille. Mais vous aviez... De toute façon, on attendait qu'une chose, c'était le gaming. Hein. Ok, ok. Les dragons partout. Ah oui, clair, efficace. Il est broken lui. Ah, le vaisseau il TP hein. Personnages préconstruits. Ah mais si, c'est elle, je l'ai déjà vue. Et là, elle est dans les cinématiques et tout, ouais. Bah elle est aussi dans les personnages préconstruits, ouais, c'est oui. Vrai. Exact. Juste, c'est vrai qu'il y a une cinématique que vous avez pas vue du coup, juste avant de créer votre perso. La cinématique que vous avez pas vue, c'est les espèces de poulpes là. En fait, vous êtes. La cinématique, c'est en genre en POV, t'es dans un cocon comme ça là. Et le poulpe, okay. Il vient te mettre une larve dans l'œil. Ah, ok. Et juste après, tu crées ton perso. Oh, ok. En gros, vous avez loupé ça, on est dans le vaisseau. Et on est attaché à leurs espèces de cuves bizarres là. Et le poulpe il vient nous mettre une larve directement dans l'œil. C'est le cycle des yeux verrons de chat. C'est quoi le nom de ton perso déjà, chat? Prou. Ok. Comme dans Charmed. Comme dans Charmed. J'avais pas la ref. Ah ouais. Mais si. Moi j'étais bien Charmed. Charmed, ouais. Ah moi j'étais. Charmed. Par contre, c'est legit une des plus belles cinématiques que j'ai pu voir dans un jeu vidéo. Je troll zéro. Ah, hein, la par cinématique contre. Elle est très stylée. Oh non, j'ai crash. Oh non. T'es sérieux, Louis? Bah, je sais pas, c'est... vous êtes bloqué, vous? Non. Non, nous on est en. Non, on a la cinématique d'après. Oh, je suis en train de sortir du. Ah oui, Aeterna a quitté la partie. Aïe, 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 non! Oh, imagine, ça a pas sauvegardé ton perso, je casse tout. Aïe, 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 aïe. Le Cloud Games! Le Cloud Games! Surtout, bah si, il y a ton perso, hein. On a ton perso avec nous. Ouais. En fait, parce que vous allez pouvoir jouer sans moi avec le. Enfin, vous contrôlerez mon perso, tout simplement. Ah, mais. Mais si tu te recôtes, tu peux join. De toute façon, recôtoie avec le. Ouais, avec le code là. Le perso est safe, c'est ok. Ok, c'est ok. Ah! Salut, Prue. I'm Jerrican. Découvrez sans moi, j'ai raté le meilleur. Voilà, on est déjà au cinquième combat, on a tué deux boss là, c'est un truc de fou là. Franchement, on s'en sort plutôt pas trop mal, pas te mentir. Truc de dingue. Est-ce qu'on est charismatique comme team? Genre, est-ce qu'on nous on écrira des histoires sur nous dans les livres? En tout cas, peut-être sur nous, mais pas sur Jerrican quoi. Quoi? Waouh! Waouh! Si vous voulez voir les persos de tout le monde, vous pouvez faire tab, ça montre vraiment genre l'inventaire et les persos de chaque. Ah, nice. Oh, c'est bon, par contre, il y aura aucun soutien, je pense, sur Prue. En vrai, vu que Jerry et Prue s'entendent pas de fou, apparemment. Pas des masses. Pas de fou furieux. Oh, purée, non, mais déjà, on dirait Oompa Loompa, JPP. Mais quoi? Je pense avec deux lâchettes.
C'est dégueulasse le zoom sur la tête dans mes fiches de. Je suis un goulard. Oula. Oula. C'est toi qui host en Qu'est-ce fait. Qu'est-ce que vous faites? T'es déjà sur Discord? Ouais, y avait un bug Discord là. Ouais. Allô? Allô? Oui, Ponce? Ouais, non, je sais pas, t'as lagué pendant, sur ta conf Discord. Ok. Ah, moi? Ok. Trop stylé, Louise. Faut que t'arrives à te reco. Par contre, ouais, faut que j'arrive quand même à reco. Alors attendez, je relance tout. Oh, je vois difficilement comment on peut critiquer mon personnage. Hein. Bref. Ah, ça a 0 CA le. L'ensorceleur là. En fait, votre session précédente est en cours de finalisation. Ah. Du coup, ça charge, je sais pas trop. Est-ce que ça veut pas dire qu'il faut sortir de. Est-ce que je. Alt F4 toutou? Bah là, moi je vois que t'es encore en pleine cinématique. Je viens de cliquer sur l'oreille et ça m'a montré la cinématique sur laquelle t'es. Ah ouais, t'es sur une cinématique, quoi. Ah, vous, et peut-être qu'il faut que vous finissiez ma cinématique pour que je puisse me reco. Ouais. Ah, je suis en train, moi, là. Tu sors de tu sors du cocon. Tu sors du cocon, là. T'es out of the cocon. Oh, trop classe, ton perso. Merci. Les dragons. Ouais, tu dois peut-être pouvoir rejoindre, là, non? J'ai fini ta cinématique. Moi ah ouais, aussi. Tu bouges et tu parles, là. Ouch, ma tête. Ouais. Merde. Je me suis spoilé un peu. Attendez, je vais tester un truc. Ton perso est très cool. Quand tu rentres le truc, t'arrives pas à rejoindre là? Attends, je referme bien tout et je relance bien tout pour être sûr. J'ai une cinématique. Ah ouais? Ouais, t'as dû appuyer sur le bassin au milieu, non? Ah ouais, j'étais en train de me déplacer, j'ai vraiment pas fait exprès. T'inquiète, de toute façon je crois que genre on peut facilement voir les dialogues et on clique sur les oreilles à gauche et c'est grave ok. Hein. Bah je m'en vais. Comme ça je fais rien, ok? S'en aller. Bah, j'ai fait pareil, en vrai j'ai cliqué sans faire exprès. Voulez-vous un peu de musique peut-être pour se mettre dans une ambiance? Allez. T'as déjà de quoi faire là? Ah t'as un tambour. Hein. Bah j'ai quand même mon tambour, je peux te mentir. Après, je suis en train de chercher, hein, bien sûr, sur une interface incompréhensible. Ah ouais, tu vas pouvoir faire de la musique et tout? Bah, j'espère, parce que sinon, bon. C'est vrai, l'intérêt d'un bar. Mais vous avez fait quoi avec vos binds? Absolument. Pour les binds, t'as pas besoin de faire quoi que ce soit. De toute façon, ça va être que souris et tu vas déplacer la caméra et utiliser ta souris globalement. Ok. Oh, j'ai une cinématique. Je regarde ce que ça donne. Ah. On fait s'en aller, c'est ça? Ouais, on va attendre que Louise arrive. Ok. En plus, on avait testé tout à l'heure, ça avait bien marché, mais je pense que là, c'était... La co, elle a dû... Bizarre que ça t'ait planté à la cinématique, quoi. Quand même un Allez, peu chelou, c'est quoi. Cadeau. C'est moi qui offre la musique. Ah, bah continue. Ok. Ça a duré une seconde. Regardez mes paluches. Mince. Il est bon. Bah du coup, slash ça me rassure, il y a plusieurs. Comment? Slash dance ou quoi? Slash dance ou quoi? C'est un peu slash dance. Est-ce que ça slash dance là dans les chats? Bah, le son du jeu est faible, mais en vrai, je sais pas trop comment le régler pour justement pas étouffer les voix de tout le monde, pas étouffer ma voix, pas, tu vois. Je sais pas comment t'as fait chez eux, si t'as fait un truc en particulier. Non, moi pas vraiment. Bah après, attends, moi j'ai le... Moi ça va le son du jeu, non? De toute façon, quand je parle, le son du jeu baisse, donc... Non mais j'ai pas un reboot tout court. Je reboot tout court. Tu reboot quoi, ton PC? Ouais. Et pourquoi t'arrives pas à joindre là? Bah, je suis toujours dans votre session précédente, t'es en cours de finalisation. Tu sais, ça se trouve, tu sais, c'est en mode. Ah. Peut-être que c'est à bizarre, nous de reboot ça, hein. La. Ou alors de soit de reboot nous aussi la game, soit de. En vrai, au pire, j'ai F5 la game et je la relance de. Vas-y, vas-y. Je la quitte et je la relance parce que si on reboot à l'infini, c'est. C'est le coach. Ou alors peut-être je peux t'inviter. Ouais, non, mais j'étais pas en ami sur. C'est du côté GeForce. Comment ça? Ouais, j'ai la session GeForce ou du jeu? C'est GeForce, y'a peut-être une manip? Bah, ouais, ils me disent d'attendre quoi.
Mais d'attendre quoi? Hein, j'ai force, quoi. Je vais aller voir en direct. En vrai, ça va, Ponce. Ouais, ça va. Bah, oui. Je suis juste un barde issu de la forêt et un peu de la rue, mais... ouais, j'ai quand même... Je vous fais un autre... Un récital que j'ai appelé Le Pouvoir. D'accord, vas-y. Quand je relance le jeu... Buffalo Soldier. Comment ça? Pas de musique. Appel de qu'il y a du monde ce soir. Il y a pas des gens, des pros de GeForce qui peuvent me dire, ce que je dois faire? Je sais pas. Par contre, je viens de voir que je peux avoir un rat. Ah! Ah! Pourquoi Ponce a toujours le pire perso? Mais quoi? Mais c'est pas parce que les gens ils font des persos badass, kiki, tout ça. Moi, excusez-moi, je suis juste. Jerrican, le baroudeur. Récital, bataille du temps, jadis. Au cas où, j'ai eu le problème du reboot en boucle aujourd'hui et j'ai dû switch à Vulcan pour que ça marche. Ah, je vois ce qu'il dit. Il ou elle. Quantique de fou. Mais il me propose pas du coup. Il me propose qu'après de switch sur Vulcan, il me semble. Merde. Merci. Il y a un petit peu du racisme antignome, mais bon. Rien j'ai à grandi faire, avec. Moi, la session GeForce pourra avancer pour la réattribution d'un rig. Ah, ok, donc il faut que j'attende quoi. Je vais me faire de la merde à relancer à l'infini. Mais c'est pas une question de session de jeu, les gens, c'est une question de... Louise est en cloud, et en fait, sa session cloud, il faut qu'elle soit réattribuée à un autre PC, quoi. Fermer, relancer GeForce, ça a marché, apparemment. Ben non, j'ai relancé plusieurs fois. Attends, je vais tenter de reboot, j'en ai pour une seconde, de toute façon, et je regarde si ça marche. Vas-y. T'inquiète, moi je joue de la musique, y a aucun souci, c'est ce que j'ai fait toute ma vie. Super. Moi, ça ne me pose pas des bonbons, là. En train de me rush sucre là. Ah, petit rush sucre là. Ça te met bien. Pourquoi quand je alt-tab... Sympa, j'ai force, tu payes et quand tu crashes, je peux pas relancer ton jeu quoi. Il est pas immonde, le problème c'est juste qu'il y a un système de personnalisation ultra poussé et qu'il a donc choisi de A à Z d'avoir ce perso. Ok, qu'est-ce que vous entendez par là? C'est marrant, Saki avait dit que j'ai force expérience de base, c'était un peu nul à yesh. Bah moi je suis sponsor GeForce donc ça fait un peu mal ce que tu dis. Écoute, en fait si on pouvait arrêter de parler de ça là. Oh c'est un peu gênant. Non mais ça nous était pas arrivé une fois ça, Ponce. De quoi? Un truc genre qui de critiquer un truc, de critiquer un truc de fou et puis qu'après on regarde Discord et que quelqu'un dise en fait je suis sponsor de ce truc. Si on pouvait juste changer de sujet. C'est tout à fait possible. Je sais plus ce que c'était. C'est tout à fait possible, oui. C'est sûr que c'est arrivé. Je ne sais plus ce que c'était ni qui c'était. Mais c'est sûr que c'est arrivé. Le gigabrache. Et c'était moi, je peux Zerato. Faire une animation On peut peut-être se parler. Non, on peut pas. clic droit. Clic droit, examiner, on peut pas se parler. Attaquer, peut-être pas, hein, en vrai. On commence à s'attaquer, c'est chaud. Hein. Non, c'est chaud. C'est un peu tôt, pour les 300 bits. Merci beaucoup. Ah ouais, comment? Ah bah oui. T'as les actions en ta barre. T'as genre sauter, se cacher, bonne nuit, lancer, bonne nuit, oui, bonne nuit de ceux qui partent dodo. Se désengager, plonger. Plonger une arme dans une surface. Putain, mais j'ai jamais testé ce truc. Hello, on parle bien de quelqu'un sur GeForce Now qui n'arrive pas à relancer sa session. J'ai la même chose à l'instant sur un autre jeu, là. Ah, let's go. Ça se trouve, les serveurs GeForce, ils ont planté. Et genre, trop bien, quoi. Ah. Bah là, je suis sur un thread d'il y a 4 ans qui dit ça. Ça fait 4 ans que les serveurs sont fermés, là. On a hâte que ça ouvre. Temps, ça fait 8 heures que j'attends, je peux toujours pas y jouer. Oh non. Ouais, un truc, là. Est-ce que je peux faire ça?
Attends, c'est moi qui suis. Attends, je peux te soulever. J'ai quelqu'un d'autre qui est en train de play et ça marche. Donc. Est-ce que je peux soulever tout le monde littéralement ou pas? Ah non, je peux soulever que les gnomes. Mais non. Mais quoi? Non mais voilà, quand je vous dis que je subis le racisme depuis ma naissance, arrêtez, lâchez-moi. T'as le petit truc bleu qui permet de te régène à côté là, la restauration. Mais attends, t'es mort? Ah non, t'es pas mort. Non, non. t'as un truc de restauration. Fin de l'aventure pour moi, merci. Ah. Ah donc je peux lancer Ponce. C'est incroyable ça. Tu peux lancer Ponce? Oui. Mmh, littéralement. Parce qu'il est léger. Ouais, c'est ça. Parce qu'il est léger et petit. Hein. Ça, c'est pas très ratus. Merci Aiden pour le sub. Bienvenue. Merci beaucoup. Bienvenue Il y a eu un lancé gnome. Vous comptez un, s'il vous plaît. Vous comptez un. Merci. Un lancé gnome. Ah, on peut avoir ton poids. Vue détaillée. Oui, tu pèses 35 kilos. Ah ouais. Louise, elle est sur un 100 kilos. Un bon 100 kilos. Un bon 100 kilos. Ultia, 75 kilos. Ah ouais, c'est les cornes, ça. Moi, je suis à 100 kilos. Donc, je pèse aussi lourd que Louise, quoi. Et que trois fois moins. Alors que Louise, elle a v'là les écailles. Mais moi, j'ai v'là les muscles. C'est ton armure qui fait 50 kilos. Ah, je sais pas si l'armure a un poids. J'ai enlevé mon armure pour vérifier. C'est sûr que l'armure a... Ah, et du coup je saute moins loin que vous, c'est ça? Non, alors mon armure, elle a un poids, mais quand je la mets, je pèse pas toujours. Ah, t'as un six pack. À quoi ressemblent mes vêtements? Bon, en vrai. Les sous-vêtements d'orc sont pas mal. Ouais. C'est musclé, hein. Musclé, ouais. Par contre. Attends. Danse de barde, récital numéro 1. J'ai envie de chialer. J'ai trop la gazine, sérieux quoi. Bah j'avoue qu'entre le PC et... Ouais. Je pourrais pas jouer à Baldur's Gate, c'est ma curse. Non. Ben, si c'était arrivé pendant Cultia, ces perso aurait été plus facile. Bah grave. Non mais c'est un peu sauce que ce soit arrivé pile au chargement quand même. Hein. Ouais mais tout à l'heure on a chargé tranquille hein. Vous pouvez pas kick son perso, ça se trouve la session GeForce, je crois qu'elle est encore en jeu. Ah. Écoutez vas-y, on va tester un truc, je vais quitter la session. Vous mettez où la cam? Moi je la mets en haut à droite, enfin milieu d'écran à droite je crois. Ok. Menu principal. Hop là. Oh ok. Qu'est-ce qui se passe? Son perso sur ton... J'ai fermé il faut la session fermer pour le lobby si de force en vrai. Ok. J'ai force down le lobby pour voir si en enlevant le perso, Louise peut pas relancer GeForce. Ah ou oui, mais bien, ouais. Ben, en fait, je suis terrifiée vu qu'on m'a dit que plus je le relance, plus il comprend pas. Parfois, les sessions GeForce Now bug et il faut lancer un autre jeu, quitter proprement et relancer Baldur's Gate. Ah. T'as un autre jeu que tu peux lancer ou pas? Ça semblait être une bonne solution jusqu'à ce que ça le soit pas, quoi. Un jeu que j'ai déjà. Je peux voir les jeux que j'ai déjà. Jeu. La pauvre, elle fait du QA sur son temps libre. Long queue times for free users in most GeForce Now regions. Je joue en coop local sur mon PC au pire. C'est pas bête ça. Ça va pas être ouf. En maintenance, nord-est. C'est en maintenance ? EU nord-est. Non, on est south-west, nous. Ouais. Mais du coup, south-west. Non, il y a écrit opérationnel. Hein. Non, l'arbi il est en train d'y jouer au moment où je te parle. Donc, Non, il y a écrit opérationnel, ouais. N'empêche, ça fait tellement languir. Est-ce que tu as bénéficié du drop que tu fais gagner sur ton live en ce moment? Je viens de le recevoir. Oui, je l'ai récupéré sur le stream de l'API. Je teste. Mais alors, je ne sais pas comment on fait une fois ça pour le récupérer. Il faut que tu ailles dans récompense sur Twitch. Drop et récompense et tu mettes claim, quoi. Prendre.
Et voilà. Je l'ai déjà fait, je crois. Pardon. Qu'est-ce que je peux prendre là-dedans ? Ouais. Compte de jeu lié. Je l'ai déjà. Et du coup, là, les drops sont activés sur mon live ? Normalement, ouais. Si tu l'as activé, il n'y a pas de raison. Moi, on m'a dit que c'était activé, ouais. Ok, ok. Bon, moi, vous pouvez farmer les drops, quoi. Ouais. Voilà. Voilà, voilà. Mais je crois que c'est juste... c'est des dessous, quoi. C'est un petit truc... ouais, je crois, hein. Vas-y, t'as pas la licence, Zef. Peut-être ça va fermer ta session, au moins. Ouais. Ok, nice, tant mieux. Merde. Fermeture serveur. Merde, je disais mon chat, je sais pas ce qui se passait. Ben, Chiche a reset le serveur et va le relancer, je crois. Putain, quelle galère. Oh, j'en ai trop marre. Sinon, vous commencez et je vous rejoins. Hein. Moi, j'ai bien envie que tu sois là aussi, quoi. Je sais, mais au moins vous êtes pas frustré, vous attendez pas pour rire, quoi. Et moi, de toute façon, je fais un perso solo un jour, donc. T'essayes quoi là ? Bah là, j'attends. Je pense que c'est le seul truc que je peux faire. J'ai l'impression. J'ai lancé un autre jeu, ça a pas marché. Ok. Ah oui, d'accord. Donc le bug a l'air de venir de GeForce, quoi. Ouais. En gros, je suis bloquée sur l'écran. Votre session précédente est en cours de finalisation. Et ça dit en dessous, nous devons fermer votre session précédente avant de lancer un autre jeu. Cela ne se produit pas toutes les fois et prend environ une minute. Ah, c'est juste un quart d'heure, quoi. On me ment un peu, mais bon. Bah, vendredi, alors. Ouais, mais est-ce qu'elle peut prendre en cours de route ? Oui, on peut. Ouais, je peux prendre en cours de route, ça c'est sûr. T'as déjà c'est... Oui. C'est ma première expérience sur le cloud. Sûrement ma dernière. Mm-hmm. 29 euros par mois. Alors, on n'a pas fait plus de 8 heures là en plus. Il n'y avait pas de raison pour que ça ferme. C'est ça. Check ça s'il te plaît. Statut GeForceNow.com. Warning message. Cloud gaming pas encore tout à fait au point. Gardien, une fusée de Qtel pour free users, mais je suis pas free. Non mais en fait c'est ça, à tout moment il y a trop de gens qui vont jouer à Baldur's Gate 3 et des... Ah ouais, tu penses que ça pourrait venir de là, que c'est parce que il y a trop de gens qui jouent? Normalement je suis prioritaire sur les machines parce que j'ai le truc, le pass premium. Ouais, mais ça se trouve il y en a plein qui le jouent. Ouais, je sais, mais non. À tout moment il y a juste pas de machine de dispo et t'attends que quelqu'un ait fini, quoi. Ouais. Je vois pas. Je vois pas le problème avec le jogging, absolument. Il y a vraiment aucune erreur qui correspond. Faire un petit jogging, moi. Lance une partie solo pour voir la vidéo d'avant la création du perso. Faire un petit jogos, là. Est-ce que le perso que j'ai créé est en sauvegarde ? Non, mais là, c'est trop Nvidia, là. C'est trop. Nvidia GeForce Now, quoi. Tu peux faire une nouvelle partie si tu veux voir la toute première cinématique. Ça va pas casser ma sauvegarde de faire ça ? Non, en fait, la sauvegarde, elle est sur mon compte. Ok, alors... Mais Xubi, les warning messages... On regarde la première cinématique, alors. Non, mais en fait, comprenez bien qu'on peut pas la réinviter si elle a pas le jeu de lancer, en fait. Là, elle peut pas lancer le jeu, en fait. Les gens qui savent pas faire des GPU qui survivent une chute de 4 étages. Jerrycan, purée. J'ai envie de faire un concert de Jerrycan, moi. Je suis là. Ah, vous... qu'est-ce qu'il y a ? Vous avez besoin de Jerrycan ? Non, mais on va... Écoute, tant que Louise lance pas, je pense qu'on va avancer. Hein. Ouais, peut-être avancer. Hein. Moi, je vous regarde en stream, au pire, en attendant. Quel enfer, putain. Montez pas n'importe quel stat sur mon perso, je vous en supplie. Ah oui, il faut qu'on respecte ton personnage, bien sûr. Mm-mm. Mais c'est une artiste. Chou, du coup, j'ai lancé une nouvelle partie, pense, pour regarder la cinématique qu'on pareil a loupée et que Chicha bonne idée. La même. A décrit tout à l'heure. Et elle est... Si vous êtes un peu sensible des yeux, elle est vénère, quand même. Ouais.
Mais j'ai peur que ce soit vraiment naze en split screen sur l'ordi de Chiche. Genre déjà on a pas de quoi mettre deux casques. C'est surtout qu'on saura pas quand est-ce que t'auras que t'auras accès à ton PC quoi. Ah. On reprend le même code du coup pour multijoueur. Je suis en train de la charger là. Ok. J'ai pas suivi, c'est passé quoi? Aeterna a des problèmes d'ordinateur, de cloud gaming. Les serveurs sont fermés. C'est un peu chelou. Son perso, il est encore en train de jouer de la musique quand même. Là, vous pouvez rejoindre normalement. Mon perso. Juste jouer de la musique. Sérieux? C'est pour ça que j'ai les yeux verrons. Je vais tester juste de le lancer sur mon ordi, je suis sûr qu'il fait tourner, je me mets en full low. Hein. Ah, ça c'est possible par contre. T'as juste 120 gigas à télécharger quoi. Ah, oui, c'est putain, vrai. J'ai même pas la place sur mon ordi. Ouais. Ah, bah oui, c'est ça le truc, c'est que peut-être, mais. Ah, attendez, on a dû d'installer Diablo 4. Mais c'est avec les 98 gigas. Ok, donc du coup maintenant je fais multijoueur et je remets le. Ah merde. Hop. Je remets le code. Ouais, ouais ça marche. Utiliser mon perso en mettant le lead dessus. Si c'est comme Divinity, je sais plus, il faut faire un truc particulier. Non, ouais, je peux cliquer dessus et je peux le jouer. Hein. Sinon, tu le mets persos, même, à côté de Chichayu et c'est toi qui joues ton perso quand c'est Chiche qui le joue. Je lui souffle quoi faire. Ouais, exact. Ah, mais ça marche pas, je peux pas me co. Ouais, moi non plus. Nat Punch Impossible 62. Mais. Oh. Incroyable, quel jeu de fou. Bah ouais, j'ai le même message d'erreur, je peux pas non plus me co. Je vais péter un truc là. Oh non. On va casser un petit truc là, j'arrive. Le code est différent à chaque fois, ok. Ah, tu dois refaire un code. Ah okay. D'accord, ok. Ça va alors. Ok, on s'est fait Nat Punch. C'est bon, quoi. C'est bon, tout va bien. On reprend. Je vais tout casser. Alors. Les Sims, ça dégage. Tac. Je vois ton lobby, l'arbi aussi. Oh là là, je vois le lobby de plein de potes, c'est trop drôle. Bah ouais. Hop. C'est bon. Normalement, c'est bon. C'est bon. Hop. Super. Hop. Ça a l'air good. Nickel. Chargement en cours. Parfait. Bon, ben, désolé, Louise. Ah, mais je vous rejoins dans 10 minutes là. Ok, je vous regarde en stream. Chacun a son perso, c'est bon? Oui, je suis encore en train de jouer de la musique. Moi j'ai lié le perso pour qu'il soit avec moi, le sorceleur. Du coup, bah go en vrai, hein, je. Oui, un tout passe là déjà. Ok, c'est parti. Globalement, c'est un jeu en point and click, donc vous cliquez, vous allez à l'endroit où. Vous avez pointé et puis après. On retourne au centre là, du coup à la. Ouais, si vous voulez. Hein. Ouais, on vient juste d'arriver. On vient juste de lancer, exactement. Genre, on a fait la création de perso et puis on a lancé. Let's go. Examiner le bassin. Vous voulez investiguer? Moi j'ai mis examiner. Investigation, test d'intelligence, ouais. Vas-y, lance les dés. Hein. Okay. On peut te rejoindre. Tu passes 10 ah ouais. Ou plus. Ah, tu cliques sur l'oreille et tu verras ce qu'a 17. Fait. GG. 16. Réussite. The casing is fragile. The slightest touch could cause it to crumble. Et là, les choix, en fait, c'est chacun. Enfin, comment ça marche? J'ai pas envie de faire que des décisions pour vous, en fait. Bah, ça dépend, en fait, parce que soit tu peux faire des conversations privées avec certains PNJ. T'as un truc que tu peux cocher, genre ouais, conversation privée. Et là, on saura même pas. On saura même pas ce que tu fais. Soit, bah, en effet, si on joue tous en mode on prend les décisions ensemble, bah, on se dit bah, qu'est-ce qu'on fait là. Là, de toute façon, t'as pas trop le choix en vrai, c'est soit tu t'en vas, soit tu tends la main dans le bassin. Ouais. Moi je vais toucher à rien. Ah oui? Ok. Ah, mais t'inquiète, dans tous les cas, t'es pas toi là. Allez, désolé, hein. Vraiment désolé pour toi. Hein. J'ai un sort de soin, mais vu que je suis immonde, je suis pas sûr de l'utiliser là. On a ça là, on a la restauration gratuite là. Ah merde, je l'ai utilisé sur moi, je crois. Ah. On a de la restauration gratuite. Okay. La map c'est virgule. Ça permet de voir la map des environs. C'est en anglais quoi. Ouais. Ça,
C'est pas très ratus. Merci Pleuratus, ça trop bien la Grèce, j'adore. Vrai, merci pour le 7ème mois. Bah en vrai, vous enfuir du Nautiloïde, hein, je crois. Hein. Je pense qu'il faut qu'on se casse, ouais. Je crois, hein. On peut custom ces dés. Ça ouais. Dépend, ouais. Moi j'ai la Deluxe, donc je peux custom mon dé. Ah ouais, la Deluxe. Ah oui, avec A et E, vous le pouvez sphincter. Tourner. Le ok. Mmh. Alors tu peux tourner avec A et E la caméra, ou alors tu peux clic molette et tu fais tourner ta oui, story. Oui, mieux. Clic molette, ça marche bien pour tourner la caméra. Ouais. Apparemment ça se joue très bien à la manette. Et la touche la plus importante ever du jeu, c'est Alt. Quand vous appuyez sur Alt, vous voyez à peu près tout ce avec quoi vous pouvez interagir. Oui, d'accord, ok. Par exemple le gobelin là, je vais juste aller le voir en fait. Tu peux le loot, tu peux ramasser le registre Elitid. Mais là vous avez vu que j'ai pris de l'or par exemple, je peux pas vous mentir. En disant ouais, il y avait rien. En fait, en faisant tab, on voit tous nos inventaires donc. Ah ok, ok. Non, mais je sais pas, je pensais. Mais moi aussi, après, je vois pas encore les golds dans ton inventaire donc bizarre. Ah bon ? Ouais, moi aussi j'ai pris de l'or. Ah, bah peut-être qu'elle l'a pris avant moi, tu vois. Ouais, c'est Prou qui a le 1 or. Oui. Elle a eu la flèche de glace aussi. Ah, tu peux faire haut pour la vue tactique, ok, lors des fights, ok, ok. C'est pour ça que j'ai jamais fait la vue tactique, moi. Mais... Oui, la vue tactique, t'es vraiment en vue de dessus. Oh, c'est horrible, non, c'est si moche. Ouais, mais c'est pas mal pour voir où sont les ennemis exactement, si ils sont près des objets. Oula! Bah, ah c'est oui, bien, oh. Par sans nous. Non, mais pardon, excusez-moi. J'ai activé quelque chose. Attendez, j'arrive, je vous le redescends. Oh, Jerry Kane. Excusez-moi, je sais que je prends un peu mon indépendance dans le groupe. Mais attends, mais il y a quoi en face en fait? Non, c'est quoi ça là? Attends. Ah, mais je peux peut-être l'activer d'ici? Ah non, je peux pas en servir pour le moment. Ça ne donne rien. Il y a quelqu'un qui parle en haut là, juste au-dessus de, au-dessus parle, de l'ascenseur. Ah, c'est pas une peu. Ouais, bon, on va voir ce que c'est. Ok. Attends, mais vous la voyez, ouais, vous la voyez où? Si tu bouges la caméra, en fait, on voit. Peut-être t'as pris l'ascenseur, on voit qu'en haut de l'ascenseur, il y a quelqu'un. Et la tablette occulte, on n'en fait rien? Bah, tu peux regarder dans ton inventaire si tu l'as ramassé. Moi, c'est moi qui ai la tablette occulte, je sais plus. Qui a vomi? C'est quoi le sort de soin? Oh là, hé! Merde, attends. Vous êtes parti sans moi, je crois que t'étais dessus. Attends, dégâts. Je redescends. Ah bon? Qui a pris des dégâts? Moi j'ai tapé personne. Hein. La plateforme elle m'a fait des dégâts. Comment on fait pour se soigner déjà? Alors moi je peux. Ah ouais, non, c'est parce que sorts... je me suis brûlé, pardon. Soit on a des potions, soit on peut faire des repos et tout. Oups. Ah bah la lourde part. Mais putain! Elle est lourde, personne là-haut quand même. Qu'est-ce qu'on fout là-haut? Et juste ZQSD donc pour déplacer la cam et après pour la recentrer, c'est quoi? Alors soit tu fais double clic sur ton cadre de personnage. Ok. Non mais je vais arrêter, j'ai mourir la là. La saumure caustique. Un peu me heal. Moi je vais pas trop lancer les dialogues mais... parce que j'ai zéro charisme donc. Je sais pas si j'ai envie. Ouais. La dragonne. En vrai, on a des points de restauration gratuits là. Hein. Parce que là, si tu lances un sort, tu vois là, t'as lancé ton sort de guérison. Si c'est pas une action orange bonus. En fait, genre, tu peux passer ta souris sur ton sort. C'est une action en bonus. En bas ouais. du cadre, c'est écrit action, action bonus, sort de niveau 1. Ouais, si c'est écrit par exemple sort de niveau 1, ça t'a utilisé un slot de sort. En train de se faire opérer. Si c'est bonus, par contre, tu peux le lancer autant de fois que tu veux. Ouais, enfin, c'est bonus. Mais c'est bonus. Est-ce que c'est écrit que bonus ou est-ce que c'est écrit autre chose? Niveau 1, emplacement de sort. Voilà. Donc si c'est niveau 1, ça t'a utilisé un emplacement de niveau 1. Et normalement, Bah, c'est autorisé hein, d'ailleurs dans le chat hein, pour ce genre de truc là. Ça, tu peux les recharger qu'en faisant des repos. Donc si t'en as plus, tu pourras plus le lancer ce sort. Ah, j'ai cramé un carré bleu quoi. Ouais, t'as cramé un carré bleu et après faut se reposer pour les reprendre. J'ai cliqué sur le mec en train de se faire opérer. Allez-y, hein, si vous voulez. Hein. Moi j'ai peur de rien. Hein. Au pire, je lui fous un coup de hache au frérot. Hein. Ah merde, mais t'es dans la haute, t'es dans la croix, ça changeait pas. Oh. C'est immonde. C'est dégueulasse. Hein. Mais tu vas lui lécher le front là ou quoi? À qui ai-je l'honneur? Un homme ou juste un cerveau? Ou je crois que personne ne peut plus rien pour vous. Vous avez l'air d'avoir peur, pourquoi? Pourquoi vous avez peur? Et donc là vous avez le dialogue avec vos choix ou? Non, on voit la même chose. C'est toi qui a lancé le dialogue donc on regarde ce qui se passe. Ok. A newborn. Born new from this husk. You realize you're talking to an intelligent devourer. On peut voter pour les dialogues.
Ah bon? Pas comment on fait? On doit pouvoir cliquer dessus, hein. Ah, en cliquant dessus, ok. Ah oui! Oui! Ah. Ah oui, de fait. On voit les gens qui ont voté. Hein. Attends, détruire le cerveau, en fait. Ouais. On donne notre avis, ouais. Ok, what? Donc on peut lui briser le crâne, lui inspecter le cerveau, ou l'extraire délicatement. En vrai... Avec des jets en particulier, ouais. J'ai un jet de dextérité, ah non, c'est toi. Oh putain, tu peux l'inspirer. Inspiration du barde. Bien, wesh. Oh ouais, let's go. Très beau jet dexté. Très très beau jet dexté. Oh, ça me dégoûte. Mais du coup, pourquoi c'est toi qui as pris la décision de jeter un dé? C'est moi qui fais propre le dialogue. You could cripple the strange creature. Mais c'est où que tu peux du coup faire tes propres voilà. Bah tu disais que tu pouvais parler en privé avec des gens. Ah bah elle aurait pu lancer la discussion en privé par exemple. Ah oui, il faut lancer la discussion. Tu coches un truc et hop. Vous ah oui, et moi je peux inspirer tous les jets. La boîte crânienne. Vous pourriez mutiler l'étrange créature afin de la rendre plus obéissante, c'est horrible. Non, ça me semble legit. En vrai, faut le faire. Hein. Go. En fait, ouais, tu peux acheter des bonus de barde. Ouais, c'est mais ça. Alors, Ah merde. Ah, t'as pas eu le temps. J'ai pas pu, j'ai pas eu le temps. Aïe 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 aïe. Moi j'aurais pu booster ton truc. Ah mince. Bon, j'aurais boosté d'un D6, mais du coup ça serait pas passé quand même. Ouais, ça serait pas passé, ça mais bon. Pas. Bah, savoir qu'en effet tu peux nous boosted. Aïe aïe. Et surtout, je me demande avec le charisme, vu que moi j'ai plein de charisme et tout, faudrait peut-être que j'initialise les. Bon, ouais, ça dépend des options. Tu vois, là par exemple, pour la dextérité, ça aurait pas servi. Enfin, après, qu'est-ce que c'est que cette merde? T'as sûrement pas mal de dex, mais pour tout ce qui est convaincre les gens et tout, c'est pas mal que tu lances avec le charisme. Ouais. Ça bouge? Ouais, il va là-bas, bah venez, 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 qu'est-ce qu'il fait? Il se barre par où? Il est parti. Solong. Solong le cerveau. Merde, on est parti. Solong, Jerry. Quel le jump? Ah. Est-ce qu'on peut te renvoyer l'ascenseur? Tu vas pouvoir le prendre, non? Si on se barre comme ça, tu peux pas prendre l'ascenseur? Ce serait trop giga drôle en vrai. Attends, je te renvoie l'ascenseur. Qu'est-ce qu'il y a? Ah putain, mais ça m'a fait passer en... Pardon, ça m'a fait passer en QWERTY, je me suis perdu. Ah. C'est bon, ah oui, t'es encore en hauteur. Putain, je suis désarçonné par la vue en... Je sais pas. La vue comment? Du dessus, en point and click... T'as le, ouais, le truc à prendre en main, c'est vraiment le clic molette pour tourner la cam. Ah oui, oui, non, mais ça, ça va. Moi, je joue aux Sims, je sais, ce genre de truc, ouais, c'est ouais. Ok, tu vois. Mais juste, je suis. Je sais pas, je trouve ça étrange de se voir loin. J'ai tendance à jouer très proche de mon personnage dans les jeux vidéo. Tu peux. Alors, tu peux, mais il faut pour ça que tu joues à la manette. Oui. En vrai, c'est assez bizarre, mais si tu joues à la manette, t'as un bail de. Tu peux contrôler ta caméra comme si t'étais la troisième personne. Ah. Ouais, on m'a dit que c'était intéressant de jouer à la manette. Moi, une abomination? Your head throbs and your skin tingles. Visions rush past. A dragon's wing, a silver sword. Fais gaffe à Ultia, parce que du coup, quand tu traces, c'est-à-dire que indirectement, tu prends le lead et c'est toi qui vas choisir et c'est toi qui machin et tout. Hein. Ben ouais, j'avoue. Je fais pas trop. Après là, j'avoue, c'est qui était devant, ça se joue à qui était devant. Oui. C'est pas. Peut-être qu'il a ton perso éternellement. J'avoue, là, il est. Ah, il sourit comme ça. J'avoue, la tête. Le sourire, qu'il le sourire a... à présent. Vous voulez pas voter? En vrai, t'es qui? Ah. En vrai, t'es qui? En vrai, t'es qui? C'est qui? Your only chance of survival. Oh là là. C'est notre seule chance de survie. Mais c'est pas une réponse. Non, 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 mais qu'est-ce qu'il faut découvrir où nous nous trouvons? Oui! Oula! Il y a eu du clipping. Oh! C'était dans le cerveau, ça?
Il y a un truc qui sort du cerveau à un moment, donc. Mais c'était pas ça, ouais.